Salut. Et qu'on aille chercher à boire, ouais. Vous m'entendez? On va s'organiser. Ouais, on t'entend. Ça va, tout va bien pour vous? Là, pour l'instant, c'est bon. Ça va. Vous arrivez à vous organiser? Ouais, bah on attend un peu tout le monde là. Tu sais, les jaunes, il y a un petit délai avant que ça arrive. Un bon diesel. Ouais, il y a un peu que des trous du cul dans votre camp, quoi. Comment il y a que des trous du cul? Comment? De toute façon, on peut faire que mieux. Comment? Bah, faut dire la vérité. Vous êtes pas la lampe la plus éclairée du village. On n'a pas compris ce que t'as dit. Essaye d'articuler, je t'en supplie. Ça veut dire quoi ça en influence? Attends, t'es en train de dire, je sais pas m'exprimer? C'est une adresse. Exactement. Ce que tu veux dire. Mais Stéphanie, en leu, je te permets pas de me parler comme ça. Alors, je suis psychologue, je suis bien placée pour ça. Bah, vas-y, exprime-toi, vas-y, dis-nous, tu penses quoi de la nature? J'en ai rien à foutre de la nature. C'est ça, mais c'est ça un psychologue? Je suis psychologue, pas naturopathe. La psy, elle est un peu fatiguée. Elle est aigrie en ce moment. Ah ouais? Ouais, pourquoi ouais, il se passe quoi? Vous lui avez fait quoi? Je sais pas, on lui a dit on s'en bat les couilles, tu sois psy, elle a mal aimé. Après c'est vrai, on s'en contre-bat les couilles. Bah, hein. On s'en pète clairement les couilles. Tu sais que je m'en bats les couilles aussi de ta vie, c'est phénoménal. Mais si tu savais à quel point j'en ai clairement rien à foutre de la tienne aussi, mon frère. Mais tu sais que je m'en branle de ta vie. Mais frérot, qu'est-ce que tu fais de moi en vrai? Qu'est-ce que là tu me laisses? Pourquoi t'es en face de moi? Bah je sais pas, la dernière fois t'es venu devant la page, tu voulais mon buzz. Frérot, quel buzz de buzz? Toi t'es un suceur de buzz, toi non? T'es pas un influent suceur? Je fais ce que je veux, d'accord? Donc, hashtag AD, Hashtag quoi? Hashtag AD? Bah ouais. Ah non, c'est pas mon univers tout ça là. C'est une OP! Ah, tu parles de AD Laurent? Mais ah, non, t'es dans ces bails là toi? Ah ouais! Ça va Camélia? Oui, ça va et vous? Bah comment ça va? Ça va? Bah super! Mais ça raconte quoi Camélia? Mais ravissante! Bah écoutez, oui, j'ai passé la nuit à. Attends deux secondes, mais tu peux t'écarter là? Tu zooms comme ça, le caméraman recule, je vais te baiser ta mère là! Mais c'est pas possible ça, c'est quoi ce taf de merde? Excuse-moi, tu me disais? Oui, je disais, on a réfléchi à des trucs et tout, et là on peut faire que mieux, on peut pas faire pire, donc on est motivé dans l'équipe. Voilà, vous partez de zéro, vous étiez naze et naze. Et maintenant, vous allez être 100 fois meilleur. Bah tu dis leur, il y en a beaucoup qui arrivent pas encore à s'entendre. Eh, je vais rien dire à personne, toi. Retourne chercher des trucs là. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter? La dernière fois que je t'ai vu, t'étais tout petit, wesh. Comment ça, j'étais tout petit la dernière fois que tu m'as vu? Arrête, garde le melon que t'as fait tomber par terre là. Calme-toi, d'accord, ok, avant qu'on commence à s'embrouiller. C'est moi qui dirige ici là. Tu dirige rien du tout. Tu dirige rien du tout. Wesh, là t'as l'île et tout. Wesh, là. Les ingrédients. Le bois et tout, la feuille. Moi je t'ai vu, T'aimerais trop récupérer. T'as capté ou pas? T'as capté. Tu vois c'est laquelle? C'est ça que tu casses les couilles. T'as capté la huisse? Comment il était là? T'as capté c'est laquelle, non? T'as capté ou pas c'est laquelle ou pas là, non? Non, en vrai, sincèrement, t'as vraiment envie de jouer ici, non? Jouer à quoi? C'est quoi cette couille là par terre? C'est le melon que t'as fait tomber. Parce que au début tu l'avais sur la tête. Frérot, il est toujours là le melon, j'ai un gros melon, ça va pas bouger. Ah ouais? Eh ouais mon pote. Ça toi, faut que tu baises les gens ici là. Mais c'est ce qui va se passer, tranquillement là. Ouais, tu vas baiser qui là? Ben, je vais baiser tous ceux qui croient que je suis un con depuis le début. Là au début j'ai fait en sorte de faire le connard, et petit à petit maintenant que c'est les vraies éliminations, je vais leur rentrer dans le cerveau, petit à petit. Ah ouais, t'as qui en vue là? Je vais sortir Ousmane Dembélé. Débile? Mais il est pas chez toi Ousmane Dembélé. Ah ouais? Mais non, il est pas chez toi. En vrai, il y en a un qui est en mode antagoniste depuis le début aussi. Et qui est là. C'est qui? Grimm. Mais Grimm, vous voulez vraiment le sortir? Grimm, il faut qu'il sorte, je crois. Pourquoi? Parce que... Bah, il doit retourner faire son zen, etc. Il a des projets, le frère. Il doit faire avancer des trucs, ouais. Mais parce que... Je tiens à te dire quelque chose. C'est juste que... Je connais aucun Grimm sur l'île, moi. Ah! Doug. C'est juste pour ça. Tu me disais quoi sur lui, Karim? C'est un bon élément et qui va faire en sorte de bien travailler aujourd'hui pour qu'on soit tous ensemble. Ah, c'est ça que tu me disais? Ben ouais. Oui. Non, je pense que ça va être exceptionnel. Ce soir, les gars, ça va grave jouer sur l'élimination de Grimm. Ça va ou quoi, les gars? Vous allez bien? Bien dormi? Qu'est-ce qui t'arrive, Fitness Park? Non, bah justement, là, c'est l'entraînement du matin, là. Ah ouais? C'est l'entraînement du matin, je suis excité. Ça va ou quoi, Jack? Ouais, ça va et toi? Ouais, je parlais avec eux là pendant que t'étais en train de siester et il y a des gens qui disent qu'ils vont sûrement voter contre toi ce soir, fais attention. Ouais, j'ai fait quoi tout le monde? Dites-moi tout de suite. Bah t'as rien fait, c'est ça le problème. En fait, je vous explique, je me suis fait couiller. Hier soir, j'ai ramené que du bois, mais je donnais ça à une go du camp et c'est elle qui ramenait tout. Et ça a donné l'impression que j'ai rien foutu alors que j'avais. C'était qui du coup? C'était qui la go? C'était qui parce qu'il va falloir qu'on l'élimine sinon. Ouais, elle a rien foutu, je vous dis la vérité. Toi, tu t'appelles comment déjà? Non, mais c'était qui? Je crois que ça s'appelait Camélia, je crois.
Camélia. Bah oui. Ah bah, oui. T'es sûr. Bah oui. Mais c'est pas ça. Il est tout le temps avec Jack, donc c'est étonnant. On a Anna qui est en train de mourir là-bas, les gars. Oui, il y a Anna. Ah oui, oui, oui. Oui, ce serait bien d'aller. Tu auras un vote en moins ce soir. Ah mais c'est la selle. C'est la selle qui m'a couillé avec le bois là. Ça va ? Non, Narine, vous voulez de l'aide pour vous remonter ? Semble inconscient. Elle veut pas se réveiller, hein, on lui donne des baffes tout à l'heure, mais je redresse. Oh, laissez-moi vous soulever. Non, laissez-la mourir, vraiment. Mais elle est sur le ventre, elle a la diarrhée, elle est constipée, qu'est-ce qu'il y a ? Vous lui avez fait manger quoi ? Médicale, elle a peut-être mangé quelque chose. Stéphanie, pour revenir ! Elle est morte ! Je vais appeler les secours, À la Trou Duc, qu'on arrive te sauver ! En plus, faut que je te parle. Ah, il y a un hélicoptère ! Force à toi, on n'aura pas à voter à quelqu'un ! Bonjour ! Bonjour, monsieur Mathieu. Il y a une fille KO là, juste là-bas. Allez vite la sauver là, plus vite que ça. Elle est en train de salir là à la plage. Mais ils ont changé de métier, c'est pas ceux qui conduisaient les bateaux ? Ouais, j'ai surexploit. Hey, Camélia, faut que je te dise quelque chose. Oui, vous venez de me mettre un vent il y a 2 minutes, monsieur Mathieu, je suis très vexé. Pourquoi ? Bah, je vous ai dit que vous étiez comme une oasis sur cette île et puis vous m'avez pas répondu donc. Ah ouais, bah si moi je suis comme une oasis sur cette île. Toi, tu sais, t'es quoi toi ? Non, mais j'ai envie de le savoir. T'as envie de savoir t'es quoi ? Vous avez pas vu quelque chose ? Ouais. T'es T'es une hélice qui tourne sur l'hélico. Et qui arrive sauver. Qui arrive sauver. Peut-être à l'abus de l'eau de mer. Anna Trou Duc. Non, mais c'est sympa. Direct que tu t'en bats les couilles. Ouais, non, mais c'est gentil, j'essaye de chercher. Non, mais je cherche la poésie. Ah putain, mais faut sauver quelqu'un, j'ai zappé, attends. Oui. C'est bon, vous la prenez ? Courage, Anna. Allez, dépêchez-vous. Vous la soignez ? Ça passera, hein. Bah, on va essayer de la soigner, si elle est pas apte. Elle a l'air d'être un peu constipée, hein. Faut on l'emmène à plus bas. Oui, tu sentais l'odeur. Ah bah tiens, t'es là, toi ! C'est nouveau, ça ? T'es en retard, maintenant ? Monsieur Mathieu, bonsoir. Bah alors ? T'étais où depuis tout à l'heure ? Je m'étais perdu, j'ai mis de l'essence dans le bateau. De l'essence dans le bateau, hein. J'ai quelque chose à vous donner. Quoi ? Très important. C'est quoi cette histoire d'alcoolique là ? On n'est pas ici pour piave là ? Non, c'est pas pour boire, il faut juste ramasser, il y a un mot à l'intérieur. Désolé de te déranger, mais qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est incompréhensible quand tu parles, je suis désolé, mais il me faut un travail. Tu vois la bouteille qui est là devant moi ? Ah ok. Il y a un mot à l'intérieur. Ok, c'est bon, j'ai capté, c'est bon. Tu peux aller baiser ta mère, attends, j'arrive. Putain, faut que je leur donne l'indice d'épreuve du jour. Hop là, attendez ! Hep. Tenez, c'est l'indice pour l'épreuve d'aujourd'hui. Oh, merci. Ils ont tous tracé sans merci. Nous, ça y est. Vous êtes si bon, monsieur, merci mon commandant. Ok, tenez, je l'ai posé par terre. Vous me trouvez bon, c'est vrai ? Lis-le à voix haute, Narine. Lis-le à voix haute. Non mais attends, on attend les autres pour le lire ou... Ah bah là, non, lis-le tout seul, Est-ce que t'as besoin d'eux, franchement ? Attendez, j'ouvre la bouteille. Bah oui, lis-le, vous avez pas besoin d'eux. Épreuve du jour, préparez-vous à une épreuve qui ne manque pas d'air. Qui ne manque pas d'air. On va être sous l'eau, on va manquer d'air, justement. On va gonfler des ballons. Petit blagueur, en fait. Faut juste penser pour les gaz hilarants, là, monsieur Mathieu, c'est quoi ? On avait vraiment besoin de lire cet indice. Camélia ? Oui ? Tu es comme une sirène dans la... Allez, on va allez, boire. On va boire. Ouais. Attrape de la pierre en comptant le cul. Oula. Eh oh ! Oh ! Non, mais non, jamais. Oh ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Bonsoir. Comment ça va ? Vous allez bien ? Bah attends, il est plus là. Bah alors, ouah, vous avez fait une pioche déjà ? Bah ça fait quand même un lustre. Ça fait depuis la première soirée que vous faites des pioches. Vous voyez, vous venez jamais. Écoute-moi bien, déjà quand tu parles articule. Ça va, oh non, pas lui, putain, oui, ça chef, va, monsieur. Écoutez, j'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour vous, j'ai l'indice pour l'épreuve d'après, quand vous allez affronter les jaunes. S'il fait un doigt d'honneur. Ça va servir si vous voulez vous organiser. L'épreuve. Ouais, vas-y, lis-la devant tes potes. Vas-y, lis-la. Alors attendez, j'ouvre la bouteille. Enfin, je fais avec les dents. Ok, pas mal comme on t'ouvre, ok. Épreuve du jour. Préparez-vous. Non, mais tu lis vraiment comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Une épreuve qui ne marque pas d'air. Qui ne manque pas d'air. Qui ne manque pas d'air.
Okay. Bah les gars, du coup on pourra pas respirer. Ouais, ça va être sous l'eau. Ça va être sous l'eau. Ah bah oui, de l'eau, une bouteille d'eau, c'est pas mal. Non, les gars, ça va être sous l'eau. Eh, je vous laisse vous préparer, vous avez tout le temps que vous voulez. Ah, j'ai compris, c'est sous l'eau, les gars. Ouais, c'est ça, c'est sous l'eau. Parce qu'ils ont dit, il manque pas d'air. Mais comment vous faites pour le supporter, s'il vous plaît? J'ai une vraie question. On peut pas respirer. C'est habitué, c'est habitué. Mais les gars, j'ai l'impression de regarder l'IPTV, frère. Il est tout le temps décalé, c'est horrible. Non, on n'y fait plus attention pour finir. Mais toi, déjà, t'as le même âge que lui. Comment ça se fait que t'as l'air aussi... Ah ouais, aussi jeune. Écoutez, y a des gens qui s'entretiennent mieux, apparemment. Non, l'IPTV, c'est... Non, c'est pas qu'on a plus de compte, vous, monsieur, mais là, on est en galère. Ouais, on doit boire, là. On doit boire, on doit manger, donc on n'aura pas beaucoup de temps pour parler avec vous. C'est bon, ça... t'as abrégé? Ah, donc t'es en train de me dire de fermer ma gueule? T'es sûr de ça? Non, mais dis-le-moi, est-ce que t'es sûr de ça, là? Bon, ferme ta gueule. Ok, on verra plus tard. Très bien. Non, j'ai rigolé, monsieur le présentateur. Non, c'est bon. Depuis que j'ai trouvé votre sac à dos, voilà, je me suis dit que je pouvais rigoler avec vous. Ok, c'est bien. La prochaine fois, je vais te faire aboyer, toi. Après, je peux déjà aboyer maintenant. Fait que j'adore. C'est vrai. C'est pas mal, un bon petit chihuahua. Eh bah, écoute, tu peux retourner à tes occupations, tu m'as comblé. Allô? Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh pardon, pardon. Ça va? Pas pour le mieux, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai rencontré des abeilles et après ça, tu bouffes plus de miel, Pops. Mais regarde, tu vois bien que t'es un peu le con de ton camp. C'est vrai. Non, excusez-moi, votre caméraman là, qui a tourné pour Secret Story, etc., il m'a parlé un peu. Il t'a dit quoi? Il m'a dit d'aller à cet endroit et au final, je me rends compte qu'il m'a pris pour un bleu. Excuse-moi, je vais te poser une question là. Tu me pousses. Ah. C'est pas grave, t'as des tics, c'est les abeilles. T'as envie que je t'encule ou pas là? Attends, c'est mieux comme ça? Ok, bon, c'est pas grave. Ah. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire là actuellement? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux sauver mon équipe et gagner Survivor. Ok, et là tu veux aller où exactement? Tu veux faire quoi? Là j'aimerais monter sur vos belles épaules musclées et aller au camp. Allez, vas-y, on y va. Allez François, allez, c'est tu peux le faire. C'est pas la première fois que vous me sauvez, je vous dois au moins ça. Ouais, mais t'es pas... Non, pas encore, non, mais arrête, pas encore. Tu pensais pouvoir me sucer comme ça? Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais le minimum c'est de prévenir. Excusez-moi monsieur Mathieu, y a-t-il des Algériens sur cette île? Ah non, là vous m'en demandez trop. Certainement pas. Ah non, mais là vous commencez à partir en couille là. Pardon. Allez, on y va. Par contre, je dois vous dire quelque chose. Oui. J'ai eu écho de gens qui veulent vous sortir du camp là. Je pense que ça va être chaud pour votre cul là. J'ai même pas encore revu mes camarades depuis la nuit dernière. Eh bah c'est normal, ils étaient entre eux, ils se sont chauffés, ils trouvaient que vous serviez à rien. Vous étiez tout le temps absent, tout le temps faim, tout le temps froid. Ça partait d'un certain Jack. Un certain Jack Jack? Mais c'est pas possible Jack, on a eu des interactions très rapprochées. Et aussi un certain, je crois que c'est Lewis. Non, il a été éliminé la semaine dernière, monsieur Mathieu. Memphis, je ne connais pas de Memphis. Douglas, Memphis. Ah non, impossible, c'est mon grand copain. Eh bah, il y a des hypocrites énormes sur cette île. D'accord. Dans 5 minutes, faut être prêt pour l'épreuve. Enfin, faut être prêt sur la plage, quoi. Je suis sur la plage. Oui, mais dans 5 minutes. C'est-à-dire, si tu veux un peu te débarbouiller, tu fais ce que tu veux. Mais t'es en train de me casser les couilles, toi! Mais c'est pas possible! Pardon. Attends, mais t'as essayé de faire quoi, là? Mais viens là! La putain de ta femme! Non, arrêtez, je ne sais pas nager! Allez, va-t'en. J'ai pied. Ok, tu veux t'en sortir ou pas? J'ai pied, oui. Chante-moi une petite chanson. À la claire branlette, j'ai sorti mon poireau pour... Oh, pardon. Non, c'était pas exactement ça les paroles. Pour enculer Ginette. Non, lui faire de bobo. Il y a longtemps que je t'encule. C'est ta daronne qui t'a appris ça? Non, ma femme. Mais ta femme, c'est une pute, tu m'as dit. Oh là, ça va trop loin. Aïe aïe. Ah putain. Chiotte l'OM. Pas mal. Vraiment, tu me combles. Tu me combles. Vous savez, je peux vous faire une musique personnalisée pour votre répondeur. Ça peut être quoi? Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip, il vous rappellera nom d'une pipe.
peux vous faire le vôtre hein, si vous voulez. Allez, vas-y, avec Monsieur Mathieu. Là, j'ai pas l'inspiration. Excusez-moi, je dois garder mes forces. Ok, je suis déçu. Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. J'ai bientôt lui avaler la queue. Oh! Eh, salut! Salut, comment Bonjour. Ça va? Ça se passe bien? Oui, super, Allô et vous? Salut François, Allô comment tu vas? Occupez-vous comment de lui, s'il vous plaît. Mon Jack? Ouais, super, et toi, François? Ah, je viens d'arriver. Tu as bien dormi? Ouais, super. Tu viens d'arriver d'où? Je viens d'arriver, là, sur l'île, sur le camp. Je viens de me réveiller, en fait. Ah, ouais, d'accord, okay, il branle rien. Et il dit qu'il... Et il branle rien. Et en plus, il y a des gens qui manigancent des choses contre lui dans votre camp. Ouais. Ah bon ouais. Qui ça oh, bah, je sais pas, mais on m'a dit que ça vous le sortait parce qu'il branlait rien. Habib, pardon. Mais il y a vraiment que des hypocrites dans votre camp. Vous étiez où, François Jean? Un petit peu la même chose. Oh, Camélia. Boire de l'eau et brûler des pierres. Camélia, t'es comme... Qu'est-ce que vous faites, des pierres? Un buisson. T'en as combien? J'en ai 5, qu'est-ce que vous faites? T'es comme un buisson dans la... Dans les ourtes. Amélia, viens, faut que je te parle. Ouais. Ah, okay. Jack, tu voulais me parler. Ouais. Ah, okay. Ah oui, c'est vrai. On avait dit qu'on devait se parler. Oui, c'est vrai. Je t'éloigne du fou de l'émission pour pas qu'il te tue. Non mais frérot, c'est trop. Regardez comment ça charbonne ici. Ça a rien à voir. Mais regardez la différence, c'est abusé. Ils sont en train de se reposer pour l'épreuve. Mais c'est trop la différence d'organisation entre les deux camps. Wow. Quelle organisation, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ouais, ventre plein et tout. Reposez-vous bien, c'est une épreuve importante ce soir. Il y aura un gros avantage. Ah, je vous le dirai après. Ça va, ça se passe bien, Axel? Je vais attendre demain. Oui, ça se passe super bien, et toi? Il est au top de sa forme, là. Eh bah ça va, dépêchez-vous, reposez-vous, il va y avoir une épreuve. Je suis piqué par des moustiques cette nuit, je ressens un télécommande. Y aurait-il moyen d'avoir un peu de pommade pour me rafraîchir la peau? Eh bah faites-la par vous-même, Axel. Je reviens demain pour votre réponse. Sous l'eau, on ne risque pas plus que ce qu'on doit faire, ok? Mais ça pue la merde comme conseil, j'ai jamais entendu mais un non, conseil de merde. Parce que imagine quelqu'un se noie, c'est ça que je veux dire, c'est que la victoire c'est une chose, mais mourir c'en est une autre, monsieur le présentateur, vous voulez j'ai des clics, vous, raconter, vous voulez je suis resté coincé dans un trou. Allez les gars, allez. Allez Jack sur les bateaux. Allez. En gros je courais. Mais Jack! Ouais? Tu vois bien qu'ici c'est les rouges. Mais hé, hey, moi, on m'a toujours pas donné de bandana à la fin, j'ai l'impression que je suis... Mais si, t'as... Jacques, t'es là-bas. Mais si, t'as un bandana. Qui est cet homme? On t'en a donné 3 fois. Aucune idée. Hé, hey, sachez juste un truc, c'est que vous entendrez bientôt parler de moi. Bah ouais. Ouais, ça va être du flow ou pas? Ouais, allez fou, franchement, ça va choquer, même moi, je t'ai intrigué. Moi, je vais dans mon lit. Eh, hey, tu t'appelles comment, toi? Eh, vous êtes Victorine. Ah non, à aucun moment, j'ai envie de te draguer, toi, j'ai envie de mourir, la caramelle. Ah bah, ça tombe bien, moi non plus. Oui, allez, salut. Hey, Camélia, oui, donc oui, donc là, oui, je vous écoute, monsieur Mathieu. T'es comme des aisselles dans sous le bras. T'en as sous le bras, mais oh là là, les odeurs. Ça commence quand l'épreuve? Ça commence bientôt là. Juste restez là. Super, j'ai adjust. Je vais tout donner. Ok, merci pour l'interview. Pas de soucis. En gros, je fais « Aou » et après, vous faites tous « Aou » et après, plus je le fais vite, plus vous le faites vite, ok? D'accord. Ok. Vas-y, vous êtes prêts? Moi, coach. Aou! Aou! Ok, c'est pire que de dire que j'ai le mal. Qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, on finit en... C'est mérité. C'est bon. Choqué, hein. Pas mal, les loups, pas mal. Les rouges là-bas, s'il vous plaît. Allez, ça y est, on en a marre là. T'es toujours dernier. Ça y est, Axel, dépêche-toi. Axel, on va devoir éliminer quelqu'un. Chef, je vous ai jamais demandé. Bah, c'est un fantasme, ça. Chef, c'est quoi? Vince. Comment vous. C'est ça de vous appelez Monsieur Mathieu. Foutez de ma gueule, vous avez pas une tête de Mathieu. Allez-vous sur votre plateforme, je vais m'énerver. Allez, vous êtes en train de juger de mon identité. Non, allez sur la plateforme, là, si vous voulez pas que je vous casse en deux. Vous montez. Allez. Rouge. Alors, Madame Anna Trouduc, elle fait partie de quel camp déjà? De nous. C'est jaune. Anna Trouduc est malheureusement forfait.
Elle a des graves problèmes de santé suite à son aventure sur l'île. Elle va, elle doit nous quitter. Ah, elle a de l'herpès. Ah, c'est fini pour vous. Ah. Et du coup, je vous annonce son remplaçant officiel qui va venir tout de suite en hélico. Est-ce qu'on, est-ce que l'hélico arrive? Si c'est Tom Lewis, on le réélimine ce soir. C'est parfait. C'est parfait. Oh non, il va nous faire. Vous verrez, vous verrez. Je vous laisse accueillir Monsieur Hassan qui était dans l'équipe des rouges et qui revient dans cette équipe des jaunes. Un maximum de bruit pour Hassan, le chauffeur de bus. Hassan, un petit discours avant de rejoindre les jaunes. Hassan, comment s'est passé le séjour en Algérie? Bonjour à tous. Très bien. Bon, je suis très content de réintégrer le jeu. Les rouges, j'ai pas oublié ce que vous m'avez fait. Je vais rien dire pour le moment, je vais rester calme. Mais vous inquiétez pas, j'aurai de mes nouvelles. Ok, grosse menace. Comment ça se fait, pas de racisme ici, s'il vous plaît. Les gueux avec les gueux. Pas de racisme. Alors, vous allez déjà vous battre pour une récompense qui va vous être très utile. Le groupe qui gagnera cette épreuve rapportera avec lui dans son camp deux gourdes qu'il pourra utiliser dans la source d'eau. Deux escortes, hein. Non, il y a aucune escorte sur l'île par contre, je te permets pas François. Si, il y en a. Non, il y a aucune escorte. Non, calmez-vous s'il vous plaît. Du coup, pour ceux qui l'ont deviné ou pas, ça va être une épreuve aquatique de nage, il va falloir aller récupérer des rubis sous l'eau de la couleur de votre équipe. Vous allez choisir l'ordre des participants. Vous aurez chacun 2 minutes de temps pour trouver des joyaux. A chaque fois, un jaune y va, un rouge y va. 2 minutes passées, un deuxième jaune y va, un deuxième rouge y va. Vous prenez un maximum de joyaux et vous allez sur la plateforme ici, principale au milieu. Compris pour tout le monde ? Allez, top ! Carrément, elle a ramené 5 rubis, 5 points pour les rouges. Voilà. Bravo les rouges, bravo. Allez, go, faut y aller. C'est pas les pas lourds, si jamais. Non, faut y aller, c'est fini. Oh, 6 rubis pour les jaunes. Ça fait 6-5 pour l'instant. Il reste 20 secondes. toujours 9 pour les rouges, 6 pour les jaunes. 10 rubis pour les jaunes, bravo frérot, incroyable. Mais Jax, il est où? Jax, c'est noyé ou quoi? Il est trop gaze. 0 rubis pour Hassan qui est en train d'int les jaunes. 15 rubis pour les jaunes. Les gars, bravo à vous, vous avez été incroyables. Merci. On les a éteints, ils ont trop la rage, ils disent qu'on les gourdes, on les a pas. Bravo, vous avez été trop fort. Vous avez été trop fort. Mais les gourdes, on les a pas eu. C'est Jack qui les a, voyez avec lui, il y en a deux. Donc vous devez gérer deux gourdes pour tout le camp, vous pourrez récupérer de l'eau à la source et tout mettre dedans. Mathieu. Exactement. Mathieu. Et vous déplacez avec la gourde, oui. Comme l'a dit Giroud, cristalline, ça coule de source. Ok, non, c'est ok, ça, ok, super. Camélia, je voulais te dire quelque chose. Ils sont où? Oui, moi aussi, il faut que je dise quelque chose, ça tombe bien. Viens, on va aller voir. Ah, allez-y, dites-moi. Moi d'abord ou vous d'abord? Vas-y, vous d'abord, vous d'abord. T'as compris? Ok, vous êtes comme une pâtisserie. Ouais, prends le bateau, mais viens. Un gâteau. Attends, je te porte. À qui il manquerait 15 minutes de cuisson. Ok. Vous voulez me dire quoi? Ok, bah vous. Vous êtes comme un gland à la pâtisserie. Ouais. On croit que, mais en fait non. Ok. Alors, je vais rentrer sur mon camp. Allez, bon voyage. Allez, bon voyage. Vous parlez dans mon dos là? Non mais c'est, en fait c'est le short de base. Ouais, vous parlez dans mon dos là?
Non, non, on disait que ça se passe mieux là. Je vous entends parler une seule fois dans mon dos, vous allez voir. Je veux pas que vous il va se passer quoi, c'est bon, dos, ouais, ça, c'est bon, tu sais quoi, collègue, j'en ai marre, c'est bon, ça fait 2-3 semaines qu'on s'en prend plein la gueule. Ok. Ah, calme-toi. Okay. Non, mais c'est bon, j'en ai marre. Calme-toi. Nous, avec l'équipe technique, l'équipe son, on a bossé toute la nuit. Avec l'équipe vidéo, pareil. Avec l'équipe décor, ça nous a pris 3 jours, on n'a pas fermé l'œil, etc. Vous étiez dans votre hôtel en train de vous bronzer avec des demoiselles comme ça au bord de la piscine, c'était sympa, mais j'appelle pas vraiment ça travailler, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ok, bah c'est bien, bah regarde, maintenant que t'as dit ça, c'est bien, d'accord, c'est vrai que c'est bien. Bah regarde-toi maintenant Mali, tu vas te mettre tout nu là et tu vas aller dans l'eau, tu vas nager un peu. Eh, t'arrête de parler toi, je me tais, désolé. Ouais, voilà, tais-toi. Tu vas y aller, si tu veux pas que je te vire, tu vas aller dans l'eau, tu vas faire 2-3 brasses là. Pour quelle raison, j'ai... Va, ça va faire du bien, va. Ah mais vas-y, fais ce qu'il dit, comme ça on passe à autre chose. Non, c'est bon, j'y vais pas. Mais oh, va là, je vais te virer, c'est bon, allez dégage. Vous pouvez pas nous virer comme ça. Ça se passe pas comme ça. On a des contrats. Les contrats de quoi? C'est moi qui dirige ici, vous êtes des malades ou quoi? Je crois, bah vous savez quoi, attends, parce que là je dois aller taffer là, vous verrez. Ouais bah allez vous brosser donc. Eh, ramenez-moi si vous voulez pas je vous baise. Ramenez-moi à la plage. Ouais bien sûr chef. C'est quoi cette mode là de répondre, de se rebeller, tout ça là? Non, je sais pas, on fait pas partie de votre équipe après tout, hein. Ah, tu t'en bats les couilles, c'est ça? Ouais, bien sûr. Okay. De toute façon, on est même pas payé quoi. On fait ça de bon cœur quoi, on est. Capital de Pillbox quoi. Ah, je suis vraiment dégoûté que vous soyez pas payé, vraiment, ouais. Je suis abattu. Je trouve que t'es exceptionnel. Ah ouais? Ouais, dans la survie, je trouve que t'es exceptionnel. C'est vrai, genre, c'est. C'est quoi? C'est mon slip en tulle, en filet de pêche, genre, qui me donne un air un peu charmant. Celui-là. Quoi? Bah, mon slip, c'est un filet de pêche. Moi, je vois non, on va vers la source d'eau. Ouais. Attends, tu vois pas, je suis en train de la gérer, toi? Hein? Tu vois pas, je suis en train de la gérer? Ah, mais c'est comme ça qu'ils ont des burgers, les autres, en fait. Ok, faites attention. Tu penses que je suis une vendue, moi? Non. Comment ça va? Ça se passe pour vous? Comment? Tout va bien? Ah, salut! Bah, ouais, ça va. Bah, pourquoi? Bah, justement, d'un truc qu'on allait aller chercher, mais Richard est plongé dans une lecture. Alors, moi, écoutez, je ne sais pas qui me parle parce que moi, je suis en train de lire et je ne fais que lire parce que j'adore lire, mais je. Il aime trop lire. Vous avez un problème de lecture? Ah, oui, là, je dévore le bouquin. Attendez, je vais essayer de vous débloquer. Mettez-vous dos à moi. Voilà, hop, je vais vous prendre le dos. Ok. Ok, tac. Que... Ah. C'est un massage pour arrêter de lire? Ah! Ça fait du bien, je pense. Mais ça n'a aucun rapport avec la lecture. Attends. 2 secondes. Tac. Hop les. Oh, alors, bah, croyez-le ou non, ouais. J'adore toujours autant lire. Ah, mais non, mais vous pouvez pas me dire ça. J'adore le bouquin, c'est comme Richard, ça. Richard, on a des trucs à faire, essayer. Merde. Bah, file-moi le bouquin alors. Ah bah, malheureusement, je le garde bien dans mes mains. Je sens bien que vous voulez me porter. Mais disons que je n'ai pas envie. Mais je vais vous péter. Mais attendez. Mais moi aussi, je vais péter un câble parce que normalement, je suis pas un mec qui aime la lecture. Hein. Attendez. Ah, je vous ai porté jusqu'ici, ça va mieux? Ah, pas du tout. Merci de m'avoir emmené là. Mais alors par contre, moi, j'en suis au chapitre 2, il est excellent. Juste avant de faire une sieste, essayez de vous échapper. Si vous croyez que je ne vais pas essayer. Essayez de vous échapper et en même temps, aussi essayez de vous faire une bonne séance de tir au but. Un bon tab. Commence à me casser les couilles avec tes dons de côte, tu vas me dire les touches. C'est bon, mais à un moment, piquer ta mère avec ton truc à la con, là. Allez, je vais Alt F4, sa mère. Allez, petite sieste. Allez, dormir. Bonne sieste. Allez. La 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 la. La 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 la. Allez. Ah, y'a un problème, monsieur Mathieu. Ah ouais, bah qu'est-ce qui se passe? On se les gèle. On a cherché du bois et puis on était un peu désorientés et on veut rentrer au camp. Et vous avez besoin quoi? De la direction du camp? Vous avez pas un briquet? Un peu de chaleur? Ah non, bah non, faut allumer un feu, pourquoi vous avez pas furie des torches? Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, bonne idée ça. Ah bah oui, faut prendre des torches. Ah bah vous avez bien froid. Est-ce que... C'était le... Mais qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? J'ai un peu du mal à vous le comprendre. Mon Très, très perdu. Okay. Le froid, ça me gèle le cerveau.
Habib, toi, ça a l'air de changer beaucoup, mais toi, je trouve que t'es toujours aussi conne, hein, je vois. Filez-moi votre veste. Ma veste? Oui. Ah non, ça va trop vite entre nous, là. Je crois que c'est par là-bas, hein. Vous êtes dans la bonne direction, hein. Mais comment cool. Ça se fait qu'elle va bah, mieux? Bah c'est bon, on y va, super génial, ah, c'est cool. Vous allez mieux? T'es frileux, Oh wow. Mais what? Doucement. Oh. Pas de geste brusque. Moi, on m'a dit que quand on voyait un ours... Oula. Et... Quand on voyait un ours, fallait le regarder et lui hurler dessus. Comme ça, on prouvait qu'on n'avait pas peur. Ah ouais ? J'ai fait la dernière fois, il m'a couru. J'ai vu ça dans un reportage. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est l'ours cocaïné, je crois. Mets-toi sur la pointe des pieds, ok. Et à 3, 2, 1, on va crier, ok ? Ok. 3, 2, 1... Il fait caca. Oh, il est en train de chier. Bah, j'en profite qu'il fasse caca, viens en cours pour moi qui fait caca. Vas-y. Mais le caméraman, il fait vraiment semblant de s'évanouir là. Il est fou, ce mec. Oh là là, putain. Mais il se fout de ma gueule, il me voit pas. Mais c'est quoi? Mais il est cuit. Mais il l'a lâché, Ousmane Dembélé. Fais le mort, bouge pas. Bouge pas. Je suis un arbre. Je suis un putain de buisson. Je suis un arbre. C'est un putain de buisson. Je suis un putain de buisson non comestible. Je suis un putain de buisson. Je suis un putain de buisson. Je suis un putain de buisson. Oh, il m'a fait mal au dos. Je vais te faire un bandage avec des plantes, ok? Ouais, bande-moi, ouais. Bande-moi. Et je vais te bander. Ouais, bande-moi. Oh là 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 là, le poisson de qualité. Mais vous êtes trop chaud. Ouais, on est chaud, ouais. Je vais taper une sardine, je pense. Ah, Patrick, t'as géré. Ils sont où les autres candidats? Parce que c'est l'épreuve, là. Il va falloir y aller. Ils sont peut-être déjà partis, regarde là-bas, là. Non, il y en manque deux. Allez, on se dépêche. Ouais. Attends, mais tu fais quoi là? Il a du taf, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, mais pourquoi il dort lui? Oh! Je sais pas, putain. Oh! Mais t'es en train de dormir là, tu dois taper. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis juste tombé. Tu veux un truc à manger? C'est quoi cette prod? Elle commence à partir en couille. Mais j'ai que des trimards là, c'est quoi ça? Mon caméraman est en train de dormir. Attends, bouge pas le caméraman. Toi, viens là. Lionel, viens. Tu vas faire ton meilleur sprint, tu vas lui mettre la meilleure droite dans sa grand-mère à lui là. Et pourquoi? Parce que, et après tu cours au bateau, tout de suite, allez. Sinon, y'a quoi? Sinon, tu sors de l'île. Ah, le qui? Celui qui là-bas là, qui dormait là, tu vas lui mettre ta meilleure droite, allez, encule. Oh, allez, mon Dieu. Allez, cours au bateau maintenant. Allez, on y va. Votre dégradé, monsieur Mathieu. Merci beaucoup, toi aussi ton dégradé est magnifique. Je suis pas sûr. Merde! Oh, monsieur Mathieu. Tout le monde va bien, vous allez bien les roues. J'ai besoin d'un médecin, essayez de l'aider un peu là. Je sais pas si va être apte à partir à l'épreuve. J'ai besoin d'un médecin, je me suis fait... Hey, les médecins qui veulent plus travailler, monsieur Mathieu, qu'est-ce que vous leur avez fait? Ah, je vais m'arranger avec eux, si vous pouvez me les rappeler, je vais parler avec eux, je pense que... Je vous jure qu'ils ont vraiment plus envie de bosser pour vous. Ils ont plus envie de bosser pour moi? Non, ils ont pété les plombs. Mais j'ai rien fait de mal pourtant. Ils ont dit qu'ils veulent plus bosser pour vous. Mais j'ai fait quoi? J'en sais rien, moi, je vais leur demander. Allez. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Vous déranger, oui. Ah, pardon. Voilà, merci. On a quand même quelqu'un qui est en train de mourir. Oui, bah c'est cool. Alors attends 2 secondes. Les gars, ça va être simple. C'est une épreuve de parcours. C'est une épreuve de parcours. Celui qui gagne. Que tout le monde écoute, D'invincibilité. Je vais pas répéter deux fois, je préfère vous prévenir. Regardez comment tenir un équilibre. Il va vous le montrer. Ça se voit, il est chaud lui. C'est le vent. En fait, faut faire ça. Mais c'est grave dur. Je vais péter un plomb. Mais c'est grave dur. Survivant. Faut faire quoi? Faut rester appuyé.
Pas de médecin ici. Oh. Oh. Ah, madame. Ok, 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 ok. Pas de médecin. Ok, c'est bon. Ça va, vous y a... Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Les gars, j'étais le seul, je crois qu'il avait pas compris. À vous, monsieur Mathieu. C'est pas mal, pas mal. Ok, ok, pas mal, pas mal. Ah ouais, toi, t'es bien nul. Allez pas plus loin, s'il vous plaît. Oh putain, j'ai pas vu. T'es nul à chier, tu vas tomber. Tu vas tomber, t'es nul à chier. T'es nul à chier, tu vas tomber. Voilà. Ah, t'es trop nul. Bon les gars, s'il vous plaît, voilà. Tous devant la ligne de départ. Tous devant la ligne de départ. Monsieur, monsieur Mathieu, oui. Pour le monsieur là-bas, il faut le désinfecter et il faudra juste que vous fassiez pipi sur la plaie. Bonne chance, Axel. Ah, faut que je fasse pipi sur la plaie du monsieur là-bas. Ah ouais, on a pas de médecin. Oula, j'ai okay. Déjà pissé un maximum. Ok, bah je... Alors, attendez, vous allez bien? Ok, vous m'apportez un cachet, c'est bon. Allez, ah, qu'est-ce qui... mais ça va... Ah, mais ça va pas ou quoi? Ah, allez, tenez un peu. Voilà, ça va vous faire du bien. Mais vous êtes... Mais vous êtes pas bien, vendez ma... Voilà. Ça va mieux? Ah, mais j'ai demandé à un médecin, pas que vous me pisse dessus. Mais c'est de la médecine, c'est de la médecine de mais c'est, je vous c'est de la médecine. Avec votre médecine. Reposez-vous un peu, ça ira mieux, ça ira mieux. Ah. C'est assez simple, vous allez devoir faire tout le parcours et arriver jusqu'à la plateforme jaune à gauche, la plateforme du camp jaune, vous la voyez là-bas. Okay. Le premier qui arrive à la plateforme jaune gagne l'étoile d'invincibilité, c'est compris? Ok, mais Axel, c'est trop! Mais Axel, c'est trop! Non, non, faire quelque chose contre ce mec. Ok, Jacques Boulon, pas mal. Oh, il s'est foiré sur l'équilibre, faut qu'il recommence tout. Ce Richard Pastel. Attends, c'est pas mal là. Oh là là, le monstre. Le monstre. Le monstre. Le monstre. Non, non, non. Monsieur Vince Savage en tête. Attendez, est-ce qu'il va réussir? Oh le goat, oh le goat. Bah écoutez monsieur Vince Savage, vous êtes le grand gagnant et vous êtes invincible ce soir pour les votes. Bravo, allez, oui, je te laisse la récupérer, prends-la et brandis-la. Sois fier de ta victoire. Les amis, c'est pour vous, je vous la dédicace. Ouais mec, ça revient pour toi, bravo. Salut, salut. Comment ça va? Ouais, tu peux la donner à Jack, il ça en a besoin. Ça va super, allez sur vos plateformes s'il vous plaît. Vous risquez de tomber très facilement, c'est pour ça que là je vous laisse 3 minutes pour vous entraîner à l'équilibre juste devant vous. Ok. Donc merci, vous avez 3 minutes. Merci, vous êtes si bon. Ça va, c'est pas difficile. Jack, ça va, ouais, c'est pas on tombe comme une merde. Attends, mais il y a un souci ici là. Mais pro, il y a un souci. C'est toi le souci. Non, faut que tu gères bien, faut pas que tu sois dans le rouge, tu comprends? Voilà, voilà, Jax, voilà! Voilà, Jax! Non, il y a un réel souci ici. François Pignon, pas mal, pas mal! François Pignon! Mais c'est excellent! Si, hein. Mais c'est ça excellent. Fait 3 fois que je le réussis, hein, 3 fois! Ah non, mais vous êtes excellent, mais je crois que c'est votre épreuve. Hein. L'étoile, elle est pour vous là. Je pense que c'est pour moi. C'est parti! Ok, Jax Pardouk qui galère. Ok, Karim Beida pas mal. Karim Beida qui tombe. Ah!
la flotte, il est tombé. Camélia qui charrie. Aïe, 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 aïe. Ok, qui est le prochain? Oh, monsieur Jack Spardoug. Oh, monsieur. Et Camélia va gagner. J'ai pas vu qu'elle était là. Félicitations aux Camélia, est-ce qu'on peut me ramener l'étoile s'il vous plaît? Oui. S'il vous plaît les gars, félicitez-la, vous n'allez pas les heureux. Bravo Camélia, vous êtes comme une étoile. Une étoile de mer. Une étoile de mer. Monsieur Mathieu, sont derrière vous, ils arrivent, ils arrivent. Et on accueille les deux grands gagnants aussi, Karim et François Pignon. Bravo à eux. Non, ça va monsieur Douglas? Monsieur Mathieu? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Voilà, j'ai apprécié vos encouragements. Du coup, je voulais aussi vous encourager en tant que présentateur, ça doit pas toujours être facile. Du coup, vous êtes comme les rondins de bois de cette plage, fort, écorcé. Okay, bah toi, la caméra, là. Vous êtes comme les rondins de bois. Expliquez à la caméra quel mal ça vous fait d'avoir perdu. Vous êtes ronde. Ah, ça me fait plaisir. Bah, pas de soucis en tout cas. Et bah, félicitations pour l'épreuve et merci. Bon courage. Merci. Merci. Oui, tout François Pignon. On chiote l'OM. Mais... Ouais, j'ai beaucoup aimé l'épreuve que vous avez concoctée. Ouais, vous étiez bien nul. Qu'est-ce que fait monsieur Douglas derrière? Pour un sportif. Il est où? C'est ça. Ah. En fait. Oula. Bah, qu'est-ce qui se passe, monsieur Douglas? Répétez-le, Douglas. Qu'est-ce qui se passe? Répétez-le. C'est une thérapie, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. J'ai mal à la gorge, je suis une salope. J'arrive pas à parler. Ouais, c'est une dinguerie, c'est hein. Pas grave, ça va mieux. Ah oui, t'es vraiment une salope, ça c'est vrai. Ça. Tu peux le répéter encore? Mais Douglas, répète-le. J'en ai marre. Ah mais ça va pas du tout là, c'est contagieux ça ou... Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, ça va. Vous entendez bien? Ouais. Ouais, ça va. Ouais, pas vraiment, pas vraiment, calme-toi, calme ta joie. Si, si, t'inquiète, toi. Ouais. Je trouve que vous avez une magnifique veste, monsieur Mathieu. Ferme ta gueule. Oui, sublime, vraiment. Vous avez un style inimitable. Et bah, ça tombe bien parce que moi aussi, je voulais vous dire que je trouvais votre style vraiment claqué. Oh, gentil, merci beaucoup, ça veut dire qu'il est unique, je vous remercie, merci. Ouais, c'est quelqu'un ça. Qui a autant de sens de la mode, et bien, écoutez, ça ne me touche pas, merci beaucoup. Merci beaucoup, salut, salut, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? On explore. On explore, on est sur tout droit, partir d'ici, tout droit. Vous explorez quoi? Quoi? Le système de vote, il a changé, vous devez aller sur votre plage, il y a une sorte d'urne, et c'est là-bas que vous devez voter avant que c'est l'heure des votes. Allez, ouais, qu'est-ce que vous faites là exactement? On essaie de trouver on une grotte. On cherche une grotte là. Une grotte? Quelle grotte? Oh, ok, c'est pas, y a une grotte. Non, on va trouver une grotte. On va trouver une grotte. On a trouvé une entrée avec une porte blindée, mais... Ouais. On va réussir. Vous avez pas un code, par hasard? Vous avez pas quoi? Un code. Chiffre. Non, mais t'as cru, il va te donner le code. Mais on sait jamais. Non, pour de vrai, j'ai vraiment aucun code, par contre. Salut, comment ça va? Oh, comment ça va? Monsieur le présentateur, j'aurais une question à vous poser. Oui. On a malencontreusement trouvé un bunker. En tout cas, une porte métallique. Un bunker? Où ça? Ils m'en ont parlé, que ça les vous autres. Parle? Bah non, et... mais je ça me parle absolument pas. Mais par contre, on pensait que c'était à la production ou quelque chose comme ça. Non. Et je pourrais vous parler en privé de 30 secondes. Oui, venez. J'ai une question à vous poser. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un de vos chargés de production. Oui. Qui m'a dit qu'il recherchait beaucoup d'audience via les profils que nous sommes. Ouais. Je vais vous poser une question et répondez-moi le plus honnêtement possible. Oui. Est-ce qu'il y aurait, bon, hormis moi qui ai l'immunité, un profil que vous aimeriez voir dehors pour l'audience? Oulala, pourquoi, vous avez quelqu'un en tête? Non, justement, je vous pose la question pour savoir si on pourrait être aiguillé et vous rendre un petit service. Non, pour l'instant, pas forcément. Dites-moi plus sur votre histoire de bunker, parce que ça m'intrigue aussi. Ben, on a trouvé une porte, en fait... Avec un dans digicode. Une espèce de tâche, c'était quoi? Ouais, un digicode. Ouais. Dans une espèce de dune bizarre et ça faisait oh, un petit long. Peu flipper. Oh là là. C'est pas juste ouais. Un nouveau. Et quand il s'est fait éliminer, c'était 6-5. Ça veut dire qu'il a des alliés chez les Rouges. C'est-à-dire, jour ouais. D'un réunification, on se fait niquer 100%. Il faut alors sortir que nous, chauffeur on de bus, c'est les Rouges, des on les gamins, déteste. Non. Mais non. Ils vont renvoyer en Algérie le chauffeur de bus. Si vous deviez là, vous hésitez même pas entre deux personnes? Un peu aussi, on va pas se mentir. Entre attendez, qui je prends la température là-bas. Bah, Philippe, il est mal en point. Ouais. Il s'est fait attaquer par un ours, il m'a l'air dans un très mauvais état, sa famille lui manque. Ouais.
Et Kiara, elle est très très discrète. Ce qui est pas un défaut, mais c'est vrai qu'elle a échangé avec moins de gens, quoi. Voilà. Bah. Et Ousmane, parce que bah le nom, quoi. Tout simplement. Ouais, la coiffure. Comment ça le nom que je voulais dire? Oui, comment ça? Comment ça le nom? Bah, je veux dire, si Ousmane s'appelait Jacques, André ou Pierre, enfin quelque chose de noble. Ah, tu parlais de. Ah ouais. Ou Corinne. Donc j'hésite. Ok. Ok, ok. Au moins c'est dit. Oh là là. Voilà, ça c'est la France d'aujourd'hui. On peut plus rien dire. Hein, que dalle. Bah excusez-moi, mais on n'est pas en France là. Eh ben ça c'est le monde maintenant. On peut plus rien dire, les woke de merde. On est en wokistan ou quoi? Mais attends, ils sont en train de comploter contre nous là. On est les seuls. Oui, c'est la sur la côté là. Votre racisme, il va pas vous mener là. Ils vont se faire sortir pour racisme. Pourquoi il est tout seul? Qu'est-ce qu'il fait avec un caméraman? Pitié, il est où le camp? Il s'est perdu, il trouve plus le camp. Oh, le trou de balle. Alors, vous avez tous fait votre choix? Je peux vous dire tout de suite si vous voulez. Bah, venez dans un coin, on en parle. Moi, j'aimerais ce qui se passe. J'aimerais savoir ce qui se passe avec Monsieur Jax. On vous a fait croire qu'il était chercheur, qu'il avait un vrai travail, que c'était quelqu'un de complet et d'intelligent. Il a 7 chromosomes en plus. 7. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Il a 7 chromosomes en plus. Et c'est même pas des chromosomes normales, c'est des chromosomes surdéveloppés. C'est des... C'est un alien. Non, ça s'appelle des Google chromosomes. D'accord, mais il essaye de saboter les jaunes. Pourquoi vous dites ça? Vous prenez pour un con, monsieur, là, c'est trop. Attendez 2 secondes, parce que... Attendez. Tu m'entends? Ouais, ouais. Tu peux niquer ta mère plus loin? Ah, ok, pardon. Tiens, j'avais oublié que c'était filmé, putain, c'était... C'est sacrément merde. Violent, monsieur. Tu trouves que je suis violent? Ah oui, absolument. Mais je suis pas violent. C'est de la violence verbale, je vous prie savoir. Mais t'es qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es, allez, va. Ah, c'est à cause de toi, tu me suis depuis tout à l'heure, tu me stresses, je suis pas... Il a raison. Oh, monsieur Mathieu! Il a raison, t'es un gros fils de pute et maintenant tu vas niquer ta mère plus loin. C'est à cause de lui, il m'a fait stresser, j'ai couru au hasard. Oui, je sais, perdu. c'est des incapables, ces fils de chiens, là. Casse les couilles. Oh yes, merci monsieur Mathieu. Ah mais là... C'est quoi, je pense que je vais m'accroupir, je vais mourir en homme. Dis à la tribu que je les aimais pas. Non, mais non, regarde, je vais te... Regarde, attends. Putain, j'ai pas le choix, je dois le TP, je peux pas le porter. Je vais le TP proche. Je le jure, s'il se trompe de sens ici, je pète mon crâne. Il est où? Mais il est où? Waouh, un jaguar! Waouh! Monsieur le jaguar, laissez-moi mourir tout seul, pas la peine de me croquer, je vais mourir dans un instant. Tiens, je te donne du chocolat, c'est un truc que t'as jamais mangé, tu vas péter ton crâne, comment c'est bon. Oh non, je peux plus aller dans mon sac à dos. Oh non, je peux même pas m'asseoir pour mourir. Wow. Attendez, monsieur le jaguar, attendez. Vous vouliez me porter, c'est ça? Coco. Vous avez dit quelque chose? Con. Con? Je suis con? tu veux que j'aille là-bas? Ok, je te suis, monsieur Jaguar. Ok, merci, monsieur le Jaguar. Je reconnais mon camp maintenant. Je reviendrai dans la savane vous donner du chocolat. Quoi? Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Con. Mais il est con ce jaguar. Alors du coup messieurs, est-ce que tout va bien pour vous tous? Oui. Tout se passe oui. Bien tellement mais... Mais pourquoi pas tellement? Très bien, c'est super, c'est beaucoup qui mieux m'a qu'hier le dos. Bravo, du coup, bravo à la production, c'est beaucoup mieux qu'hier. En parlant de blessures, messieurs les rouges, j'ai entendu dire que monsieur Philippe, vous étiez un peu sur la sellette à cause de votre blessure. Il y a des gens qui pourraient peut-être voter contre vous. Ouais, j'en doute. Mais bon, j'en doute pas apparemment. Premier vote, monsieur Filou. Ah, deuxième vote, monsieur Filou. Ah putain. Troisième vote, monsieur Filou. Ah putain. Oh, foutez de ma gueule. Quatrième vote, monsieur Filou. Ah putain. Encore moi. Cinquième vote, monsieur Filou. Ah oui, bah ah voilà, putain. C'est pas moi. Sixième vote, monsieur Ousmane. Oh. C'est pas moi. 5 votes Filou, Asmat Ousmane. Sixième vote pour monsieur Filou. C'est pas moi. Putain. Monsieur Pierre,
un vote, Pierre un vote, Ousmane un vote, 6 votes pour Monsieur Filou. Monsieur Pierre, 2 votes. Pierre, 3 votes. 3 votes pour Monsieur Filou. Ça, 4 votes pour Monsieur Pierre, 6 votes pour Monsieur Filou. Et 1 vote pour Monsieur Ousmane. Monsieur Filou, veuillez prendre votre torche, s'il vous plaît. Je suis là. Monsieur Philippe. Oui. Ce soir, c'est la fin de votre épreuve. Est-ce que vous avez un message à passer ici à tout le monde, que ce soit au jaune ou au rouge? Oui, j'aimerais remercier tout le monde pour cette aventure. Affronter les ours, la faim, le froid. Et je regrette quand même l'hypocrisie dans cette équipe. Mais j'aimerais aussi remercier mes enfants. Et surtout ma femme qui, pour elle, je fais cette aventure. Et bah force à ta femme décédée. Et bah tu pourras rentrer chez toi et raconter à tes enfants toute cette aventure. Merci à toi. Je suis fier de ce que j'ai accompli pour l'instant. En tout cas, merci. Bien joué, Philippe. Oui, monsieur Hassan a eu un peu de mal à s'intégrer. Hassan, d'ailleurs, est-ce que vous avez une remarque à nous faire vis-à-vis de ça? Non, au contraire, moi je tiens à remercier tous les membres de mon équipe qui m'ont très bien accueilli. Narine, entre autres. Jack, Camélia, Habib, okay. Tout le monde. Bed. Ouais, pas tout le monde. Ils m'ont mis à l'aise très rapidement. Ok, premier vote, monsieur Hassan. Premier vote, monsieur Hassan. Ils vous ont bien mis à l'aise. Un vote pour Hassan. S'il ressort, je rigole. Deuxième vote, monsieur Hassan. Effectivement, merci à Camélia, à Jack, qui vous ont mis à l'aise. Deuxième vote, monsieur Hassan. Troisième vote, monsieur Hassan. Ils vous ont accueilli comme il faut. Chauffeur de bus un jour, chauffeur de bus toujours. J'ai l'impression que ça va être très dur pour payer votre umrah, monsieur Hassan. Non, c'est grave, c'est grave. Peut-être une troisième équipe, non? Quatrième vote, monsieur Jax. Un vote pour Jax, trois votes pour Hassan. Attention, attention, attention. Alors là, la surprise. Je me suis jamais tué. Oh, moi. C'est incroyable. Quatrième vote pour monsieur Hassan. Mais c'est phénoménal, quel accueil. Cinquième vote pour monsieur Hassan, 5 votes pour Hassan, 1 vote pour Jax. Ouh, 2 votes pour monsieur Jax, 2 votes pour Jax, 5 votes pour Hassan, 3 votes d'écart. Attention Jax, ça commence à chauffer au cul. Je suis serein, j'ai ma petite guitare là. 3 votes pour Jax. 3 votes pour Jax, 5 votes pour Hassan. Peut-être une petite musique pour remonter petite musique monsieur Jax. Non, mais. Un petit change, j'ai l'impression que vous étiez détendu. Prochain vote, c'est une charla. Prochain vote, allez, ok. Monsieur Douglas. Un vote pour monsieur Douglas. Un vote pour monsieur Douglas, 3 votes pour monsieur Jax, 5 votes pour Hassan. Toujours au même niveau. Alors là. 4 votes pour monsieur Jax. 4 votes pour monsieur Jax, 5 votes pour monsieur Hassan. 1 vote. Ok, pour... le noyau, hein, c'est ça? Le noyau, on avait dit. Ok. Ces branches que je suis allé chercher, là, putain de merde, comme un con. 5 votes pour monsieur Jax. Oh, oh. 5 votes pour monsieur Jax, 5 votes pour monsieur Hassan, 1 vote pour Douglas. Il y a effectivement plus de votes. Je vais prendre monsieur Jax et monsieur Hassan. Vous allez chacun votre tour faire un discours. Je veux monsieur Hassan en premier, s'il vous plaît. Je tiens à dire que j'accepte la compétition. Quoi qu'il arrive. Après, je pense que je vous ai été utile sur le camp et j'ai encore beaucoup de. Non, les gars, celui que j'ai pris, il a été remis dedans, vous inquiétez pas. Après, si vous choisissez la facilité et que la compétition vous fait peur, je vous laisse décider de votre vote. Ah, monsieur Jack, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai déçu de vous. J'ai déçu de certains qui ont voté pour moi, c'est-à-dire la moitié parfaite de l'équipe des jaunes. Mais il est con. Faut les sucer là, faut les sucer. Merde. Eh, oubliez pas qu'on forme une grande famille. T'as une formation mec, la formation offerte. Attendez, en vrai j'ai un truc pour ma défense, j'ai été peu présent ce soir. Sachez juste un truc, c'est que j'ai la clé de la glacière qui a pas loin de notre camp. Mais on l'a déjà en fait. Attends, donc là tu menaces hein. Justement, j'allais vous dire qu'en rentrant sur le camp, je vous la passe et on va voir dans la glacière, mais malheureusement, il y avait rien dans la glacière. Tu veux une glacière?
Non mais y'avait rien dedans, c'est que ah, quelqu'un l'a pris avant moi. Bah, moi. Ah bah du coup ça sert à rien la clé. C'est moi qui ai pris la gourde. Ah y'a 3 gourdes dans notre équipe. 4. Y'en a 3. Les gars, attendez, j'ai une question, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître là, qu'est-ce qui se passe? Apparemment ouais. Non mais c'est juste parce que... Mais non mais c'est juste parce que en fait il était pas au camp pendant très longtemps Jack, c'est pour ça que du coup il sait pas. Mais en fait du coup on a 4 gourdes ouais. La clé de la glacière, ça aurait été une information qu'on aurait aimé avoir dans le camp. Mais non, mais je l'ai eu là après les votes. Je l'ai eu peu de temps après les votes sur notre camp. Après les votes. Et je suis allé voir Cash, il y avait quoi dedans pour vous le ramener, il y avait rien. Et je me suis perdu à ce moment-là et j'ai mis une heure à revenir au moins. Non, pour le coup, c'est vrai que j'ai vu Monsieur Jax avant les votes qui était totalement perdu. Pendant plus d'une heure et qui était tout seul. Et j'ai collé au camp la glacière. T'as saboté cette équipe, t'as ramené 0 joyaux et je t'ai entendu parler avec Mathieu. Et tout ce que tu voulais, c'est de saboter l'équipe. Quoi? Et devine quoi, t'as ramené 0 joyaux pendant l'épreuve. Mais non, j'avais les 3 joyaux. Après, ramener 0 joyaux, mais comment ça saboter l'équipe? Il a non, dit quoi, lui, c'était intentionnel. Non, ah, Narine, tu te trompes, j'avais 3 joyaux. J'ai entendu parler avec Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, vous confirmez? Je ne confirme absolument pas. Mais oui, Narine, t'es en train de manipuler tout le monde là. J'avais 3 joyaux et la preuve, j'ai même essayé de les donner à toi d'ailleurs. Le problème, Jack, c'est que tu fais que mentir depuis le début. J'ai pas déclaré que j'ai vu du tout de la merde. Attends, je vous en supplie, demandez à Douglas, est-ce que j'essaie de te donner les joyaux pour qu'on les remette dans le bac? Je peux pas parler. Oh non, pitié. Moi, je sais moi, je peux le dire, il a essayé de me donner les joyaux pour que je triche. Il m'a dit. Ah, mais toi aussi, ben oui. Il m'a dit d'organiser une bagarre générale, sauf qu'il les a perdus au moment où il a essayé. Non, mais ça triche pour le bien de l'équipe, je voulais mettre dans le bac. Moi, je dis ça parce que je suis honnête et c'est ce qu'il m'a dit. Ils vont délibérer et c'est celui qui a l'immunité qui vient vous donner la réponse. C'est pas parce que tu parles fort. Accueillant, t'as dit qu'on te suçait. Bah écoute, t'iras ailleurs pour sucer, je pense. Mais c'est pas parce que tu parles fort que t'as forcément raison. J'ai dit que j'avais la clé sur moi. J'ai pas dit que j'avais raison. Que tu m'as dit à moi sur Hassan, vu qu'on en est là sur des mensonges. Ouh là là, ça va sortir des trucs. Mais t'as dit sur des mensonges. Il faut que t'arrêtes. J'ai fait un mensonge sur Hassan. Et c'était pour le. Je te pardonne, Jack, si t'as menti sur moi, je te pardonne. Bah écoute Hassan, ma soirée mon équipe plus belle mérite peut-être de sortir. Mais Hassan, c'était pour le bien collectif de certaines personnes qui voulaient déjà voter Hassan contre toi. Et c'est le seul mensonge que j'avoue ce soir. Et il n'y a pas d'autre mensonge, j'ai menti sur rien d'autre. Jax et Hassan vont rester ici. Je vais tous vous prendre s'il vous plaît les jaunes. Venez par avec contre, moi. Tu devrais changer ton jean slim hein. Vous ouais. allez tous choisir ensemble, vous allez vous mettre d'accord sur qui vous voulez qui sortir entre Hassan et Jax. Et je veux entendre uniquement, quand vous allez retourner là-bas, et uniquement le capitaine dire la cible que vous sortez. Tu sais, c'est qui a tout énervé? C'est Camélia, je te jure, elle a une dent contre moi depuis le jour 1. Et là, carrément, elle parlait fort, elle disait qu'il n'y a que des mensonges, ouais, alors que j'ai menti que sur toi. T'as voulu la cibler un peu à un moment, je pense qu'elle a voulu se retourner contre toi. Non, c'est pourquoi? Parce qu'au début, elle m'a dit une phrase, et pour lui répondre, je lui ai dit « ouais, suce doucement » pour rire, et là, elle me l'a ressorti carrément, je venais d'arriver sur l'île quand je lui ai dit ça. Elle a pas kiffé que tu lui dis « suce ». Elle me l'a ressorti là, je suis choqué qu'elle me l'ait ressorti. Elle a une dent, elle est fou pour moi. Putain, j'aurais dit ça à n'importe quel autre membre si c'était pas sexuel. Mais après j'ai dit non, je rigole. Elle a pas digéré. Après je lui ai dit je rigole. Ça pouvait arriver qu'à toi ce truc là. Stéphanie, s'il te plaît, tu peux te lever et nous dire la personne que vous avez décidé de sortir. Écoutez, j'avais voté Douglas et donc je change mon vote. Et c'est un vote très difficile car j'avais envie de voter contre aucune des deux personnes. Sachez-le, vraiment désolé, mais je vote contre Jax. Oh non. Jax, ils t'ont baisé, Jax. Ok. Jax. C'est rien, François. Le noyau. Au moins, t'auras pas besoin de stream dans ton rêve demain. Est-ce que tu veux faire un dernier discours à ton équipe? J'ai un dernier mot à vous dire avant de partir. J'ai créé des affinités avec certains membres de l'équipe. What? Et on s'est carrément appelé le noyau. Ta gueule! Ah oui, merde. Et j'espère simplement que vous éliminerez cette folasse de Camélia, vraiment. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vais quitter cette île dans la paix. Est-ce que des gens ici ont un message à faire passer à monsieur Jax? Moi, je tiens juste à remercier Jax. Je pouvais pas voter contre lui parce que... Il y a une fois où j'étais tombé en forêt et il m'a porté tout le long. Et du coup, il n'a pas pu ramener du bois, etc. Donc je me sens un peu mal par rapport à ça. S'il avait pu rapporter du bois, peut-être que les gens l'auraient vu autrement, mais il m'a sauvé ce soir-là. Et donc rien, je voulais le remercier. Moi, j'ai ramené énormément de bois, mine moi, de je, suis rien, dans mais... je suis dans l'honnêteté et c'est pour ça que je ne pouvais pas trahir ce principe. Et voilà. Merci moi, je tiens à le dire. Merci beaucoup. T'as des valeurs, Habib.
Frère, elle a le démon contre moi, je suis choqué. Hey Jax, hey Jax. Ouais. Hey, donne-moi ma couronne. J'ai pas voulu être contre toi. C'est des fils de pute, je sais très bien c'est qui. On va tous les faire sortir pour toi la mif. Hey, t'inquiète s'il te plaît, pas. Camélia, Camélia, je t'en supplie. Camélia, t'es. Okay. Je suis une grosse pute, c'est le reste. D'accord, écoutez, c'est bon écoutez, elle, écoutez. Je suis une grosse pute, c'est ça, le reste. Je t'ai posé le chocolat et la gourde. Bah prends ta torche, je comment t'as pu sortir sur un sus doucement Mais je suis choqué qu'elle s'en soit rappelée et qu'elle l'avait toujours en tête, je suis choqué. Un petit cadeau de départ. Merci beaucoup François. Non. Quoi non. Non. Coupez ça, filmez pas. Non, non, coupez les caméras, Il faut savoir se dire les choses maintenant, d'accord. Je pense que je t'ai traité d'une mauvaise manière à chaque fois. Et je pense que... Attends, coupe ta caméra, là, je vous parle en off, là, la prod. Et je tiens à te dire que... Vraiment... Là, je te parlais vraiment sincèrement, là. Vraiment, pour le coup, okay. Je vraiment te parlais sincèrement. Et t'es d'accord avec moi, ça a mal démarré, tout ça. Là. Ouais, bah c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'est pas payé, qu'on mange pas, qu'on ouais, attends, laisse-moi parler. Des chiens. Ouais. Et du coup, je tiens à te dire qu'en gros, j'ai préparé en gros un bateau, là. Et si tu, toi ou quelqu'un d'autre... Tu vous rehaussez le ton auprès de moi, je vous vire vos mères les putes. Donc recommence à vous rebeller, je vous baisse vos mères les putes. Je te le dis une fois, je rigole pas avec vous. Tu vas finir sans famille, le bateau, il t'emmène direct dans ton pays. Et je parle pas de ton pays là, ton vrai pays. D'accord ? Voilà, je m'en bats les couilles. Comment ça, mon vrai pays ? Ouais, c'est ça. Ouais. Allez. Mais sérieux ? T'es complètement teubé de vouloir voter pour moi ? Parce que peut-être que je suis pas souvent là, mais j'apprends des trucs sur l'île, ok ? Tu m'as mis une petite balle, j'oublie et on passe à autre chose. T'es mis une balle. Parce que bah mec, je pensais que j'allais sauter, tout le monde m'a dit ouais tu vas sauter ou c'est toi ou Philippe. Donc moi fallait que je mette un mec. Je suis trop heureux. J'ai voté Philippe et j'ai incité les gens à voter Philippe plutôt que toi, oui. Ah oui, et je sais qu'il y a un truc. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Vous êtes au courant de l'élimination dans l'autre camp ou vous voulez que je vous la dise? Bah non, ouais vas-y dis-nous. Bah monsieur Jack c'est sorti. Non, jure. Aïe. Oui, gros choc putain, pour il tout avait... le monde. Il avait une formation pour moi. Il avait une formation et tout son camp ne lui donnait qu'amour et amitié. Oh, en face, tout le monde a pleuré quand il est sorti alors qu'ils ont tous voté contre lui, je comprends pas. N'oubliez pas le social. Le social est très important. Si vous faites pas des amis, vous parlez pas avec les gens. Toi, t'as des amis ou pas? Moi, j'ai pas d'amis, je vous baise. Tu comprends pas ça ou quoi avec la putain? Ouais, ah bah alors, c'est ce qui me semble. Ouais. Bah, si tu me baises, ouais. J'adore ça. Hein. Même toi, je t'aime bien, toi. Ah ouais. Et toi aussi, je t'aime bien parce que vous avez des aptitudes différentes. Est-ce que vous voulez l'info de qui est sorti chez les jaunes ou pas? Ouais. Oui, c'est qui est-ce? Monsieur Jax. Ah bah en même temps, vu comment il s'est défendu, le trou du cul. Complètement d'accord. Il a insulté ses amis au moment où c'était décisif, j'ai pas compris. En fait, il y avait une fille qui avait une dent contre lui, parce que dès le début de l'aventure, il a dit à la fille, hey, « Eh toi, suce doucement. » Ah bah oui, je crois savoir qui c'est, du coup je comprends tout. Ah, c'est un Pussy Slayer aussi alors. Il y a beaucoup de Pussy Slayer ici, mais il y a aussi beaucoup de racistes. Je ne vise personne. Je sais pas où. Mais je cherche aussi. Où ça, je ne sais pas. Salut Camélia, je peux te parler deux secondes? Oui. Sache que t'es comme une falaise. J'ai envie de me jeter de toi. Ah, ok. Écoute, j'ai autre chose à te dire. Sache que tu as été une grande stratège. Merci. Tu as été une grande Camélia, stratège. Camélia, je te dérange pas? Il y a 50 branches à aller chercher, aller au boulot. Et oui, toi, bah je viens de ramener les feuilles. On va appeler un traducteur et on te contactera. Écoute, tu as été une grande stratège. Tu as pris un choix et assumé jusqu'au bout. Tu n'as rien à regretter de cela. Personne ne doit t'en vouloir pour cela. Elles sont où les branches ? C'est gentil. J'espère que la nuit ne sera pas pleine d'attaques de petits oiseaux bleus. Non, il n'y aura pas d'attaque pendant la nuit. Non, c'est pas grave. Il n'y aura pas d'attaque pendant la nuit. Personne ne supportera cela. Car tout ceci n'est qu'un jeu organisé sur cette île. Putain, pourquoi je parle comme Christophe Colomb? Attends. Non, mais... Non, vraiment, si c'est un coup que j'ai voulu tenter, j'étais immunisée ce soir. La facilité pour moi, ça aurait été de ne rien faire, de me croiser les bras et attendre. J'ai voulu tenter un coup de maître. Si j'avais pas réussi, je l'aurais applaudi s'il m'avait sorti demain. Exactement. Donc, je vais même te dire quelque chose, tu t'en rends pas compte, mais t'as mis un coup de pied dans la fourmilière. Maintenant, tout le monde se dit que n'importe qui peut sortir et tout le monde se chie dessus. Ce que tu as fait, c'est très bien. Ça fait plaisir, merci. Merci pour les gentils mots. Attends, il t'a vraiment dit suce doucement? Oui, le premier soir quand je suis arrivée, oui. Je voulais le féliciter parce qu'il venait d'arriver et tout. Il m'a dit ça, donc j'ai dit à la guerre comme à la guerre. Elle lui a dit bienvenue, il a dit suce doucement. Je vais chercher du bois, parce que... Désolé, j'ai mal au ventre.
il se passe plus rien dans ce temps. Désolé, vas-y, vas-y. Oui. Vas-y. Comment ça va, Habib? Ça va. Mais tu est-ce que tu sais la attends, viens, je te parle. Est-ce que tu connais le départ du drame entre Camélia et Jack? Non, je comprends pas parce que je sens vraiment que tu vois. Il y avait une tension. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas encore. Enfin, je vais te le raconter. Je suis en larmes depuis tout à l'heure. En fait, Jack, s'il est arrivé, tu sais, un peu en retard sur l'île. Ouais. Et Camélia, elle lui a dit bienvenue. Tu sais, il lui a répondu quoi? Il lui a dit suce doucement. C'est pour ça. Elle est énervée. Eh Douglas, je t'ai jamais vu autant récolter, c'est bizarre. Ah ouais, tu te bouges là. Ah bah faut bosser. Mais par contre, faut vraiment que t'ailles faire quelque chose pour ta voix là, parce que c'est insurmontable. Je pense que ça t'a sauvé aujourd'hui. Ouais, parce que là, je sais même pas comment t'es encore ici, je te dis la vérité. Je pense que c'est de la pitié là, je pense qu'elle fait un peu de pitié. C'était là. Vraiment de la pitié aujourd'hui. Ah non, je me barre trop. Mais je l'ai jamais vu cavale aussi vite, carrément. Les gars, je vous jure, je suis choqué, je l'ai jamais vu cavale aussi vite. Oh, y a un hélico. Quoi? Hein? Je vais venir RP parce que. Les gars, je vous jure que je suis pas au courant là. Voilà, toi qui es toi. Bonsoir. Il se passe quoi là? C'est. Il se passe. Un câblon là. Allons, j'en t'ai pas. Alignez-vous. Tu vois, c'est quoi ce bordel? Mais je vous jure que c'est pas moi, ça a rien à voir avec moi pour de vrai là. Madre Dio. Moi j'ai un langage qui a malencontreusement disparu. Ah, je l'ai vu. Ah, on l'a vu. Ah, oui. C'est la cocaïne. Oh, la cocaïne, j'ai fait croire que c'était à moi. Si tu veux bien renseigner, toi, c'est que j'ai fait croire que c'était à moi, carrément, tellement je comprenais pas pourquoi il y avait de la cocaïne. Taisez-vous. Oui, mais voici la cocaïne, voici la cocaïne. Ah, il y en a encore des kilos. Jacques, il y en a encore. Vous êtes tout partenaire. Bonjour, petit chat. Mais attendez. Bonjour, petit chat. Est-ce qu'on ne montrait pas dans l'hélico? Non, pause. Ok, j'ai une. Ouais, est-ce que vous m'allez commencer là? Rien. Ok, regarde, viens. Cavale, François. Vas-y. On a encore le cap. Cavale, François, cavale. Vas-y, tu peux le faire. Mais non. Mais François, t'es complètement cinglé. Mais bouffe-le. Peut-être qu'il peut nous sauver. Bon, si on sait où elle est, pour la chercher. Je viens avec toi, on y va tous. Messieurs, est-ce que vous avez une carte magnétique sur vous? Vous avez un peu de temps pour trouver ma coca avant qu'il se vide et son sang. Pendero de mierda à tous. Les amis, venez. Allez trouver la coke, je vais m'occuper de lui. Le chaman attaqué. Si vous voulez les soigner à temps, vous avez intérêt à faire vite. N'ayez pas patience. Une mission, on s'amuse à être des survivants dans la forêt, s'il vous plaît. Il reconnaît ces messieurs Amine Mathieu. Mais c'est ça, vous me connaissez. Si, mais je suis un grand fan, il regarde toutes vos émissions à la c'est maison. Vrai, c'est vrai. Si. Monsieur Mathieu, je voudrais prendre une selfie avec vous. Ok, venez, on prend un selfie. Sortez votre téléphone. Mathieu, dépêche. Je vous jure, je comprends pas ce qui se passe. Je vais t'aider. 17 secondes. C'est gracias, elle est parfaite. Putain de chat, la con. C'est vraiment des noms de merde, allez, le tournoi. Il faut que je te coupe ta plaie. Regarde, là tu vas t'allonger un peu. Là, ok, là t'aimes bien comme ça là. Ah oui, là je sens bien là. Tu sens le feu là? Oh oui, ça me fait du bien. Mais tu t'es vraiment battu avec un jaguar? Non, je l'ai tué. Mais tu crois que t'es rough ou quoi? C'est lui qui m'a cherché. Mais t'es complètement fou, vrai. Tu sais qu'il y avait de la cocaïne sur l'île et je comprenais pas pourquoi il y en avait. Et du coup, j'ai fait croire aux autres que c'était à moi. Après, si je peux me permettre, tous les gens de votre milieu en prennent. C'est vrai. T'as des noms? Cyril Hanouna. Un autre nom peut-être ou rien d'autre? Oui, on a qui d'autre? Squeezie. Sarkozy. Qui ça?
attendez, Sarkozy. Il y a une lettre qui sépare vos les deux noms que vous avez mis. Squeezie, Sarkozy, c'est pareil, les gars. Ils sont petits et ils ont le contrôle. Donc là, vous avez décidé de vous attaquer à chaque personne les plus puissantes de chaque milieu. Donc chaque... vous avez pris les deux plus grosses têtes puissantes de chaque milieu et force à la lettre que tu vas recevoir chez toi. Pardon. Monsieur Mathieu. Ouais. Allez vous faire foutre. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit, s'il te plaît? Ah bon? Il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai hâte de vous revoir, on a hâte de vous revoir. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir de faire du business. Merci, hein. merci beaucoup, messieurs. Vous repassez quand vous voulez. Une personne de bon goût. Eh, les gars, je vous jure, j'ai rien à voir avec ça. Mais tu vois, tu sais c'est pas ce que je vous jure que je suis pas au courant sur tout ce que j'ai de plus cher. Tu fais quoi, là? Je vous jure que je suis pas au courant, mais vraiment, genre vraiment. Bon bah soirée cook les gars. Ouais ouais vas-y soirée on va aller en... on va aller dormir. Prenez la coke, like j'en ai plus rien. Move it. I like to move it. You like to move it. You like to move it. Il y a quand même François Pignon qui s'est battu avec un jaguar. Ça va mieux François en premier. Ça va beaucoup mieux, tout s'est arrangé. Pardon, je vais nulle part. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la nôtre, c'est nous qui l'avons trouvé. Ah oui, mais non, c'est coke, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas vous. Non. S'ils reviennent, et qu'on n'a pas l'arco, on va tous mourir. Ok, je la pose, vous pouvez aller. Il a raison. Merci Mathieu. Moi, je préfère fermer les yeux, monsieur Mathieu. Vous pouvez prendre la coke si vous voulez. C'est vrai. Vous pouvez la prendre, fermez les yeux. Oh, j'ai ça rien restera vu. Entre nous, vous inquiétez pas. Oh, regardez là-bas. Le sol. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est vrai. Allez, on va dormir. Vous voyez pas? Ah, c'est. Non. Bonsoir. Ah bah faut qu'on aille tout voir. Ah il faut que tu remplisses aussi derrière. Ça va, vous allez bien? Ouais. Bonsoir monsieur Mathieu. Bonsoir monsieur. Bah alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit vide, il manque quelqu'un dans votre camp. Bah on sait pas encore, les gens se réveillent doucement. Bah non mais celui qui a été éliminé hier. Après on s'est quand même fait tirer dessus par des narcos et... Non mais ça j'ai pas compris. Il y a peut-être un problème quand même dans le jeu. Je ne connais pas ces mecs, j'ai aucun putain de rapport avec ces mecs. Ouais, hey, lourd, t'as mal une montre. Maillot de bain, mocassin, certes, les mocassins. Ah, les mocassins, ouais. C'est un cadeau. Maillot de bain, mocassin, frérot. Attends, mets ton jean là, vite fait. Bon, les gars, bon courage à vous. Merci, Et charbonnez à fond. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment ça va, monsieur François? Qu'est-ce que vous me racontez? Moi, ça va très très bien. À chaque fois que je vous vois, je me sens très très bien. Ce que je peux faire pour toi. Ouais. C'est ça. Faut juste que tu acceptes. Non, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas ce que je crois. Vas-y, c'est juste parce que le matin, c'est toujours mieux. Il faut que t'arrêtes ça. Alors attends, autre chose alors. Oui, quelque chose de moins. Là, t'es trop... De moins, d'accord. Mais pourquoi plus les jours passent mon tas de cheveux? C'est faux, j'ai toujours les mêmes cheveux. Bah non, je te jure, t'en avais plus au début, t'avais plus de densité. Pourtant, je me sens de mieux en mieux hein, sur le camp, je sais pas si tu vois. Ouais, bon, je te laisse, moi, faut que j'aille pêcher, sinon ils vont croire que je branle rien. Même si je branle rien, il faut que je fasse semblant oui, que je branle semblant, pas rien. Fais semblant. T'as compris? Mais ils sont où les caméramans par contre, pour de vrai? Grève, oui. Attends. Grève, ils vont voir. Salut, comment ça va? Salut Mathieu. Bah vous allez bien? Non, ça va, ça va, tout s'affamé, on va tous tomber. Ouais, j'ai trop la dalle, hein, j'ai trop la dalle, nana. Waf waf, j'ai trop la dalle. On parlait bien de poisson séché, hein, nana, on parlait de poisson à la plage. Exactement, tu parlais de poisson séché et de grosses truies. Quoi? Oui, genre les saumons, les thons, les... Les gros thons, les gros truies. En présence de nana, je pense que... Wesh! Non! Non! Attends, non, pardon! Ouais, je t'ai éteinte. Ouais, je t'ai éteinte, ça y est, j'assume. Je t'ai éteinte. Une bonne droite dans ta... Vous avez vu? Non, écoutez, petite pause. C'est honteux. Petite pause, écoutez, regardez. C'est honteux. Écoutez, petite... Honteux. C'est juste que j'ai pris des plantes un peu étranges sur l'île qui m'ont donné un effet de surexcitation. Ça a monté mon adrénaline et ma testostérone et ça a provoqué un effet où je... Ok, je vote pour boycott Survivor RP. Vous votez quoi, vous? C'est quoi RP? Voilà. RP, ça veut dire roster place. Genre, c'est quoi, genre? C'est en mode quand t'as pas à manger sur une place, genre c'est une île où y'a pas à manger, quoi. Mais qu'est-ce qui se sort ce vieux? Mais frère, t'es un poisson ou quoi? Mais sans... Mais dormez dans l'eau, c'est quoi ce... Ça va, Axel? Eh hey, monsieur le présentateur, on a trouvé un bunker. Vous allez pas me croire, mais oui, on en a trouvé un, hein, oui. Montre, comment ça? Ok, venez, suivez-moi. Eh, hey, t'as failli sortir hier. Bah, j'ai failli prendre Bagdad, hein. T'as failli prendre quoi? Failli prendre très cher, on va dire. Je veux que tu montres pourquoi t'as dû perdre tes cheveux, parce que t'es quelqu'un de mauvais. T'as
calvitie méritée. Vas-y. Voilà. Sors ta malveillance de ton corps. Allez, on y va. Allez, on y va, oui. Mais bravo, vous avez trouvé une plantation. Incroyable. Ah non, non, il y a un bunker dedans. Mais what? D'ailleurs, j'ai trouvé un autre truc super bizarre hier. T'as trouvé quoi? Bah, je vous l'avais dit, un espèce de cabanon avec des barils et on dirait genre un truc de narcotrafiquant à la mexicaine. Ah putain, oui! Les gars. Quoi? Faut que je vous dise quelque chose. Hein? Faut que je vous dise quelque chose. Quoi? Ça va être de la merde. Ah, j'ai trop faim. Ah, cool. Dis-nous ce que tu veux dire. Bah, j'ai trop faim. Mais bah, nous aussi. On s'en tape le fion. Et salut. Ça va, monsieur Mathieu? Comment ça va? Et bah alors, tu veux autant de prestance? Bah écoute, ça va, je suis en train de faire un piège à poisson, là, tout va bien. Et bah voilà, tu vois, quand tu veux, tu travailles. Exactement. C'est comme ça qu'on veut te voir motivé, mon petit Burnel. Mon petit Burnel, c'est comme ça qu'on veut te voir motivé, toujours motivé. En plus, t'as des beaux tatouages, dis-moi, ça représente quoi? Ah, c'est la famille et un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, hein. Et il s'est passé quoi dans ta vie, exactement? Bah écoute, pas mal de déceptions amoureuses. Mais voilà, hein. Ça, hein. Salut! Oui, bonjour! Oh, oula, oh! T'as vu un caméraman? Bah oui! Où ça? Bah, y en a partout, des caméramans. Enfin, pas à la mano, mais Mais toi, si t'es riche, pourquoi tu participes à tout ça, là? Mais c'est un petit peu compliqué! Oui! Fais mal, attends, la taille du rat. Attends, je suis en train de parler avec elle, connasse. Oh, comment ça, connasse? Les gens, ils sont impolis, on discute, ils viennent, ils coupent le... T'es d'accord avec moi? Ouais, mais elle est fière de me montrer son petit rat. Elle est seule, tu sais, sur cette île. Elle est contente quand elle trouve un rat comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi tu participes ici si t'es blindée? C'est un petit peu compliqué. En fait, ma fortune a été perdue. Voilà, tout simplement. Elle RP dans sa salle de bain ou quoi? Pourquoi ça arrive comme ça? Parce que vivre dans le ghetto, moi, non. Hein. Ok. T'as quelque chose contre le ghetto? Ah non, j'ai rien contre le ghetto, mais c'est dur là-bas. Oh là là. Genre, pourquoi c'est dur? Il y a quoi exactement? Bah, y a pas de champagne, y a pas de caviar, y a pas de sac de luxe, y a rien quoi! Si, y a des ghettos, si, y a tout ça. Ah bon? Ouais. Où ouais, ça? Ouais. Y a des magasins, y a tout ça. Est-ce qu'y a pas autre chose qui te dérange? Ah non, moi c'est le luxe qui me manque, moi. Non, mais c'est pas possible, par contre, t'as un problème. T'as fait quoi? T'as pris quoi comme médicament cette nuit? Quand tu parles, j'ai l'impression que tu vas me faire un prêche. Écoute, bah tu sais quoi, pour te rattraper, je vais te donner l'indice des épreuves aux joueurs et tu vas leur montrer. Comme ça, tu vas te rendre utile un peu. D'accord. Tiens, vas-y. J'ai l'indice des épreuves, tu vas leur montrer à tous. Vas-y. Allez, tiens. Mais je te. Par terre, derrière toi. Mais t'es pas le grain de sable le plus mouillé de la plage, toi, hein. Ah bah non, mais tu peux ça en cachette. T'es un peu coconne. T'es un peu coconne, hein. Bah toi, t'es un peu concon, hein. Moi, je suis concon, mais toi, t'es coconne, hein, je te le dis. Hein. Mais bah, t'es vraiment coconne. Hein. Ouais, y a pas tous les branchements qui sont faits dans le cerveau. Hein. T'es vraiment pas très fut-fut, hein. Ah oui, bah toi aussi, je t'assure qu'on se pose tous cette question. Ah oui, il a réparti vraiment toi aussi, toi-même, on est au collège. Hein, t'es vraiment coconne, hein, je te le dis. Hein. Complètement coucou comme toi. Oui, comme toi, toi-même, c'est toi, Nini Miroir. Ah bah non, c'est toi, oui. Je me lève de bon matin pour me faire un bain de bain. Nanana, de bain de ciné, bon matin. J'ai l'indice de la prochaine épreuve. Qui veut la bouteille tout de suite? Je la donne. Vous vous démerdez avec maintenant. Est-ce que vous pouvez le lire? Parce que moi, je l'avais toujours pas lu en vrai. Ah, vous savez pas lire, monsieur Mathieu? Non, mais ça n'est pas lu, monsieur Mathieu. Je parle à Thomas Nigel, là. Attends, laisse le lire, s'il te plaît. Épreuve du jour. Préparez-vous à faire mouche ou à périr? Quoi? Va falloir manger des mouches. Ou périr. C'est dégueulasse. C'est une épreuve de précision. Ah ouais, non, va falloir viser. Ah, en gros, faut bien viser. Mais c'est toi le présentateur. Ah oui. Vous parlez pas, monsieur Mathieu. Si, mais c'est juste que je trouve. Y'a pas ma prod depuis tout à l'heure, je les trouve pas. Vous avez pas vu un caméraman? Ah, vous êtes tout seul là? Non, depuis tout à l'heure on est. Mais on est d'accord, y'a d'abord. La réduction, elle est terrible. Hein. Faut faire des petites séances de relaxation. Hein. Bah, ok, bah faites-moi une séance. Non. Allez. Vous voulez une séance? Non, c'est bon. C'est non, mais revenez, y'a pas de problème, on peut faire une séance. Vous allez fermer les yeux? Vous avez les yeux fermés? Il va falloir répondre, sinon ça va être un peu compliqué. C'est les yeux fermés, c'est pas fermer ma bouche. Ah oui, c'est bon, oui. Très bien. Maintenant, vous allez inspirer, expirer. Vous avez beaucoup de traumas dans votre vie. Comme François qui a perdu sa femme parce qu'elle baise un autre. Vous allez je suis dire... Là. Quoi? Et répéter trois fois avec moi. Attends, j'ai ouvert les yeux, je suis désolé, je ferme les yeux, j'entends François. Pardon. Non mais s'il te plaît, t'es mon pire cauchemar. Vous allez répéter après moi. Je suis une petite Sassa. Je suis une petite Sassa. Une petite Sassa. C'est très bien.
Répétez-le trois fois. Je suis une petite Sassa, je suis la reine des Sassa, c'est moi la grosse Sassa. Ah oui, je suis ouais, une grosse Sassa. Ah oui, je suis une bonne grosse Sassa là. Hein. Exorcisez un petit peu la Sassa qui est en vous. Ah oui, moi je suis une grosse Sassa. Une grosse Sassa, c'est qui la grosse Sassa de Lille? C'est monsieur Mathieu. C'est qui la grosse Sassa de Lille? C'est très bien, c'est monsieur Mathieu. Voilà, c'est moi. Vous pouvez l'ouvrir et peut-être la fermer, mais ça c'est autre chose. C'est quoi, c'est la prod qui vous a donné c'est quoi ces chaussures édition? C'est quoi ces chaussures édition Brésil? C'est des Night Screamer. Ah, faut changer monsieur hein. Et d'ailleurs oui. Monsieur Mathieu, moi j'ai un ami, il s'appelle Adil, et il mettait des chaussures encore pires que vous, si vous pouvez me permettre. Portez-moi sur vos épaules s'il vous plaît. D'accord, écoutez, là je dois juste partir parce que j'ai eu des infos, apparemment il y a mon blaze sur une certaine liste, donc je reviens. Votre quoi? Mon blaze. Vous comprenez bon, ça, si on peut parler, si on peut parler qu'entre Wesh Wesh, je ne comprendrai jamais votre... Attends, mais vous me traitez de Wesh Wesh? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de non raciste dans cette aventure? Moi, mon meilleur ami est Habib. Mais vous le connaissez depuis deux jours et c'est sûrement parce qu'il vous récolte de l'eau. Non, c'est mon meilleur ami. Vous avez une autre pathologie à m'accorder? Parce que j'ai de la défense sur toutes les pathologies possibles. Ok, ok. Cocu? Celle-là, je peux pas répondre. Ok, QI assez bas, genre un peu débile quoi. Franchement, non, Jean-Patrice Benjamin était débile, il parlait que de planche à voile. Mais on m'a traité également de misogyne sur les bords alors que j'ai une mère et je trouve ça assez honteux. Non, par contre, sa misogyne, c'est sûr à 200%. Je tiens à vous le dire. Ah, bah non. Ah si. C'est impossible. Ah si, vous êtes misogyne. Ah si. J'ai une mère. Bon, d'accord. Misogyne. Vous avez peut-être. Voilà, oui. D'accord. Ah, ok. Avec un M minuscule alors. Allez, avec un M minuscule et un G majuscule. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champion. Bah si j'ai la dalle, mais honneur à vous. Bonjour monsieur Mathieu. Pourquoi il dort sur mon lit lui? Tu fais quoi toi? Vous êtes fatigué. Mais non, c'est mon lit en plus. Eh monsieur Mathieu, c'est où les caméramans? Ils font grève? Bah oui. Ah attends, ah oui, ah oui. Attends, mais ouais, c'est vrai que les plus filmés. Non mais attendez, je crois vraiment que je dois me démerder tout seul. Il y a grève aujourd'hui. Et toi, arrête de rire de manière hypocrite. Mais c'était pas hypocrite. Mais quoi? C'est normal que ça fait plusieurs jours qu'on soit là et personne lui a dit qu'il avait une coupe de merde, ce mec. C'est le chef. Je vous permets. Ouais, voilà. On peut pas parce que c'est le chef. Non, mais non, y a pas de chef entre nous, on le sait. Ah mais ouais, y a juste... une tyrannie. Pas du tout. Pas du tout. Eh, tu vas pas me la faire, je t'ai vu aux épreuves. Dès que c'est les épreuves, tu sors ton vrai personnage de sportif là. Je t'ai déjà expliqué, j'économise. Après, oui, je donne tout pour les épreuves. Ouais. Je t'ai pas dit, je vais crever dans deux mois, j'ai une maladie. Quoi? T'as quoi comme maladie? Il me reste deux mois à vivre et je veux gagner pour offrir des cadeaux aux orphelins. Parce que je suis parrain d'une association. Elle s'appelle comment l'association? Il s'appelle... l'association... Nikumouk. Nick, le prénom Nick, et après Mouk, quoi. C'est le prénom voilà, c'est okay, ça. Famille. Ok, très bien. C'est compris. Et... bah écoutez, on va faire les épreuves et ça restera entre nous, ça me touche énormément. Et sachez que je ferai tout pour vous faciliter, monsieur Axel. Allez, je compte sur vous, allez au bateau. Bonjour monsieur. Oui, vous étiez où depuis tout à l'heure? Je sais si. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Oh! Et wesh. Mais on a pas de compte à leur donner. Je suis pas très bon en bataille navale. Et toi? Non mais il y en a un. Oui. Regarde celui qui est debout, il a une attaque. C'est quoi ce guet-apens là? Il se passe quoi là? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Réunissez tout le monde, mettez-les en ligne devant nous. Mais attendez s'il vous plaît là. C'est le connard de la dernière fois. Non, pas Mali, t'es là, sale chien va. En face s'il vous plaît, venez. J'existe ou pas là? Une banane. Mais je vais péter un plomb. C'est mort. Monsieur Mathieu, ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Il y a une nouvelle production. En tout cas, la production d'origine a été rachetée. On a été très déçus de la façon dont elle a été éliminée. Et l'émission a décidé de prendre un nouveau tournant. Pour rénover la Alors, nous avons décidé de changer un petit peu l'axe de l'émission. Eh, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Eh, Mali, tout ça là, tous Monsieur les caméramans, Mathieu, venez, on y va là, et on a des choses à faire. Ils viendront pas. On va nulle part. Nous, on les paye, contrairement à vous. Nous, on leur donne on la bouffée. Ouh. Nous, on les héberge dans un hôtel. On leur donne des droits et on leur parle cordialement. Ah ouais. Toc, monsieur Mathieu. Maintenant, l'émission va être diffusée en direct sur le Darknet. À destination de quelques milliardaires qui sont capables de payer plusieurs millions pour assister à cette émission de chez eux.
Et nous, on n'a pas signé pour ça, nous. Oui, non, on... moi j'arrive pas. Voilà, c'est clair. Rebellez-vous. Rebellez-vous. Après, je ne sais pas, monsieur Mathieu, mais. Ah ouais, tout ça. Moi je prends. Tous les candidats à la sortie de l'épreuve seront soutenus financièrement pour tous leurs projets. De façon totalement illimitée. Attendez, mais pourquoi vous prenez des décisions là ? C'était extrêmement mauvais, j'ai une médiocrité sans... Ah non, mais là, c'est terrible, là. Nul, on veut plus de ça. Mathieu. Allez, Mais comment ça me séparer ? Eh, j'ai été excellent. Demandez au candidat que j'étais excellent. Dites-le que j'étais excellent. Je suis presque sûr que nous, spectateurs, sur le terrain, nous sommes laissés avec énormément de pouvoir parmi nous. J'aimerais dire quelque chose à Mathieu. Pour commencer, faire de l'audience. Et donc là, tous les cadreurs, là, les caméramans, là, je c'est fini là. Je les dirige plus là. J'ai juré t'es pas capable. Ouais, toi Mali, nique ta grand-mère, sale chien. T'as toujours été une petite chienne. T'as servi à rien sur l'île. T'es qu'un pauvre bras droit. T'es un incapable, je te le dis. Le petit Kota Hagar, il reviendra un jour. Oui, Ragar, oui, Hagar, oui, ok, d'accord. Oh. Bon, allez, 45 ans pour ça. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis rien contre le fait de le foutre chez les rouges, mais faut buter un rouge pour prendre sa place, sinon c'est pas équitable. Mais tu veux toujours buter tout le monde. De toute façon, pour cette épreuve, il n'y a que 8 candidats. Donc, ça change rien qu'il y ait une personne en plus pour le moment. Bon, on réfléchira plus tard, alors. Bon, l'épreuve du jour. Comme vous pouvez le constater, il va s'agir d'une bataille navale. Bataille vous allez désigner 8 personnes par équipe gueule, qui vont participer à cette bataille navale. Ah bah super. Vous allez vous positionner sur les plateformes. Il y a quoi à gagner? Vous aurez le droit à 2 constructions de votre choix sur votre base. Construit par la production. Alors c'était moi l'animateur. Je sais bien ce que vous voulez construire. Tellement heureux. Les gars, en gros, je vous explique. Monsieur Mathieu. Vous allez vous mettre chacun sur votre plateforme, bien au milieu, d'accord? Mais tu vois pas que je viens de me faire têche de ma propre émission. Et après, chacun de vous devra sélectionner sa position. Moi, je me suis fait têche du serveur. Mais du... Monsieur, s'il vous plaît. Ouais, pour terminer. Excusez-moi, là. Je vous foutez de ma gueule ou quoi, là? Allez concerner votre équipe, monsieur là. Mathieu... Il va falloir établir une stratégie. Mais comment ça, mon équipe? Vous n'avez pas un boulet pour votre équipe si vous voulez pas être éliminé, dès le premier jour. Oh, putain... Okay, ce serait honteux. Oui, j'y vais. Ce serait honteux. Vive les rouges! Vive les rouges! Ouais! Vive les rouges! Vive les rouges! Bienvenue, ouais! T'es avec nous maintenant? Bah, j'ai pas le choix, il me dit de dégager sinon ça va mal se passer pour moi. C'est fini, vous voyez maintenant! Non, mais les gars, je vous ai toujours kiffé, moi j'ai jamais. Ouais. Mais on a consommé de la cocaïne ensemble. Ah, maintenant, ça filme, hein? Ah, ça filme maintenant! What the color? Red! Yes, Red! C'est bien, salope. Encore. Bon, les amis, la stratégie là, on a plus de temps. Yes! Hey, Red! Yes! Tu nous appartiens maintenant, t'es à nous. Non, mais. C'est moi qui vais faire le bois, vous voulez que je fasse quoi d'autre? Tu vas tout faire, tout. La cuisine, tout. Je vais chercher la pierre, vous voulez que je fasse quoi d'autre? À manger, à manger. Ok, je vais chercher à manger. Vous voulez que je fasse quoi d'autre? Vous voulez que j'aborde? Vous voulez que j'aborde? J'ai des infos, je sais des choses. Ah oui? Oh, t'as c'est le boss. Oh, voilà. C'est vrai, ça. Voilà, là c'est intéressant, voilà, là. Bon, là. Ouais, là voilà. C'est intéressant. Je sais rien. Là, je vais vous aider. Donc, les gars, t'écoute. Monsieur Mathieu, venez par ici. Ah, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut une tenue adéquate. Comment ça? Ah, il vous faut une tenue adéquate. Vous n'allez pas participer avec cette tenue, c'est ridicule. Et du coup? Bah, vous tenez, avez une tenue? Prenez cette tenue et vous allez vous changer, hein. Vous n'allez pas. Au même titre que tout le monde, vous êtes un candidat. Allô, comme la tenue maintenant. Caméra sur les plateformes. Voilà, c'était un peu mieux quand même. Ah oui, je suis plus à l'aise là. Ah oui, je suis plus à l'aise. Ah, vous avez les mouvements amples au niveau des bras, c'est bien mieux. Allez. Ok. Bisous. Merci. Allez, ouais. Oh, bataille navale. Oui, ouais, oui. Bataille navale. On est en train de jouer, on s'entend du coup. Ok, là du coup, on se place. On fait quoi? Il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait, oui. Wow, c'est 3. Ok, ils ont pas touché. Ils ont pas touché. Moi j'ai tiré en C3, ça n'a pas marché. Ah, c'est nous qui avons pas touché. Il a tiré en C1, ça a pas touché. Ok. L'angle lui-même, je vais pas tirer dans l'angle, mais ils ont tiré dans l'angle, donc je pense que ça veut peut-être dire qu'ils en ont un dans exactement, l'angle. Je vais exactement. Tirer en H1, ça te va? Allez go. Oh! Touché. Oh là là! Oh là là! Le goat!
mais ça c'est... Ça, ouais, c'est ouais, ouais, ça, ouais, ouais, les gars, ouais. Oh putain, merde, ça a touché les frères. Putain, merde, ils ont coulé notre torpilleur. Ils ont coulé notre torpilleur. Oh non. Il y avait du monde sur le torpilleur, les gars. Tombé. Bah oui, il y avait Nana et Mathieu. Non. Ils ont touché 3 cases, nous on en a aussi 3. Putain. On a touché 2, ok, 2 bateaux en entier. Let's go. Bravo les mecs, bravo les mecs. Let's go les gars. C'est ça, ça les mecs, chouette. Bravo. En vrai il y a égalité hein. Il nous en manque 2, il nous en manque 2 et on a gagné. C'est... Oh, oh le goat. Non c'est grave, incroyable. Allez, finissez-le. En long. Il en manque plus qu'un, ouais, finissez-le. Il est en horizontal je pense. Il en manque plus qu'un. C'est 4 chacun non? Mais non, c'est... Il y a 5 chacun. On a 5 bateaux. Ah oui merde, chacun, pardon. Putain merde. Déjà, non, déjà, on sait que c'est un bateau de 2 ou de 4 ou de 5. Donc, Monsieur, on dit qu'il y a pas mal. Oh là là là. Et tu peux voir nos bateaux. Ah ouais, je vois exact. Ah, ah, ouais, je vais sauter. Non, ouais, je vais sauter moi. Oh. Axel, le goat, il reste plus que lui. Allez, s'il vous plaît. Allez. Il leur reste 5 personnes. Axel, c'est forcément un bateau de 4 ou 5, donc calcule si c'est possible qu'il rentre. Alors allez, Axel. Il pourrait plus être Axel. Une ligne ou une colonne, c'est où il y a ton pas moment, de Axel. Tu as trop quand t'as sucé, maréchal, pétain. En D, Axel, plus. En D, je pense, ça peut être en D. Plus. Ah bon, ah bon, plus. Oh, ouais. Ok. Ok. Non, c'est Axel East Halloween, c'est grave. Non. Ok, il a pas touché Axel. Allez Axel, allez. C'est ton moment. Non. Oh non. Non. Ah c'est la merde. Non, non. Non. C'est fini. C'est fini, je suis débité. Oh, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. C'est pas grave, bien joué. Dommage, la team, dommage. Bravo. GG, on a très bien joué. GG, tout le monde. Ouais, GG. Vous avez été incroyable, ne t'en veux pas, Pierre. Ne t'en veux pas, Pierre. Je suis désolé, la team. Désolé, la team. Ouais, désolé. Pierre, t'as été vraiment incroyable, bravo. On a été ah non, non, mec, c'est... Ouais, quoi, quoi? Ah non, j'ai raté, c'est... Ouais, abusé. C'est vrai, c'est vrai, t'étais éteint. Ouais, c'est vrai, t'as raison, t'étais éteint. Ouais, t'étais éteint. Non, je rigole. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, on note pas, t'inquiète, on note pas, Bonjour. Eh ben déjà, on félicite l'équipe Curie d'avoir remporté l'épreuve de la bataille navale. Ne croyez pas que vous avez été bon, c'est simplement l'équipe rouge qui était mauvaise. Attention. Avec un gagné pour savoir. C'est toi, gros nul, va. Oh, prends ça, doucement, prends ça, doucement. Voilà, c'est bien. Faites des dons sur les streams. Pourquoi monsieur Mathieu est ne vous inquiétez pas. Pourquoi il est en mode survivant? Pourquoi monsieur Mathieu est en mode survivant maintenant? Parce que maintenant, monsieur Mathieu est un surveillant, un survivant. Je suis devenu une pute. Eh, tu parles de monsieur Mathieu, écarte-toi de moi. Ah. Merci pour le divertissement. Ah, tout ce qu'il mérite. T'es un homme mort, Demphi. Mais je sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce que vous voulez? On peut trouver un arrangement. Il y aura pas d'arrangement. C'est un malentendu tout ça, Regardez. Trouvez-nous que vous êtes digne d'être un beau candidat et vous retrouverez peut-être votre place. Eh, je vais vous dire la vérité, moi je le savais. Je savais que vous étiez deux sur l'île. Est-ce que je vous ai balance? Jamais. En plus, regardez, j'ai capté la référence de vos vêtements, c'est Brice de Nice. Brice de Nice. Je crois qu'il se fout de notre gueule. Mais non. Pense. Ah, c'est pas ça la référence de votre style? Ça peut arriver d'être un incapable, mais je te jure, je suis prêt à m'excuser et qu'on reparte sur de belles bases et que tout... Mali, tu me l'as fait tout à l'heure, la dernière fois. Tu t'es excusé pour rien. T'es parti... Ah, tiens, prends ça, Mali. Pour toute la gueule. Tiens. On strip. On nous strip. Tu restes avec moi, Mali. D'accord? Je pensais que j'avais un homme de la prod, mais en fait t'es une escorte. Ok, allez. Et monsieur Mathieu, check-moi ça, check-moi. Remercie Axel. De quoi? Sans lui, on vous aurait jeté par-dessus bord, vous serez pas candidat. Oui, Axel, le frérot, super. Bon allez, je vais ramasser du bois, moi. Je vais les aider, je vais tout carry. Vous inquiétez pas les gars, je vais être le roi de ce camp. Regardez bien comment je vais être le roi de ce camp. Salut, ça va? Et toi? Je te trouve très intelligente. Ah bah oui, t'as changé d'avis là d'un coup, on est moins coco et coconne, hein? Mais non, mais tous les deux, on était tous les deux au même niveau, on était concon et coconne tous les deux. Tenez-moi en laisse, vous voulez que je fasse quoi par exemple? Que t'allumes le feu. Allume le feu, oui. Ok, j'allume le feu tout de suite, comment je dois faire?
Mais toi, à 4 pattes devant le feu. On va te ramener un silex, attends. À 4 pattes devant le feu. Ah oui, avec les silex, faut se mettre à 4 pattes avec les silex, qu'est-ce que t'as cru? Bah vas-y, toi, montre-moi comment on fait. Donne-toi, fais-le. Bah montre-moi, je sais pas comment... Tiens, prends un petit silex et... Okay. Ah bah là, prends le silex et vas-y, tu vas voir. Tu vas te mettre à 4 pattes. Allez, tu vas voir. Tu vas voir, okay. C'est super simple. Bah, tu... Ok, bah non, attendez. Non, je suis pas du tout. Non, c'est comment vraiment facile. Oui, oui, oui. Hop là. Bâtard. Ça va pas en fait. C'est quoi cette folie? Je l'ai allumé direct le feu. Je suis trop fort. Ah bah t'es utile finalement alors, hein. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais les gars, je suis au sommet du règne animal. Je suis fait pour être un survivant. Allez, toi va me chercher du bois, toi va me chercher des cailloux. Plus vite que ça. Ouais bah déjà je mets la bouffe à chaud. T'as deux bras de jambes, va braquer nique ta mère. T'as deux bras de jambes, va braquer nique ta mère. On y va. Je pense que le soleil lui a tapé sur le système. Femme, fais-moi à manger. Non mais... Il a cru qu'on était dans la cuisine là ou quoi? Et si pas tu peux nourriture. Chasser l'ours, tu sais il y a un ours sur l'île. Je vais aller le chasser l'ours. Non mais il faudrait des pierres pour faire une table de cuisson. Axel viens là, on va aller chasser l'ours. J'ai une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Vas-y dis-la moi en marchant, viens viens. Putain je dois me taper Axel, j'ai envie de mourir. Vas-y Axel, accélère là, tu vas à deux à l'heure là. Oui c'est bon, j'ai une bonne nouvelle. Dis-moi ta bonne nouvelle. J'ai trouvé... Du chocolat. Ok, Axel, garde-le pour toi. T'en as besoin, t'es vieux, t'es âgé. Il faut que tu gardes le chocolat pour toi. Ah ouais. Femme 1. Mais qui parle avec cette testostérone là? Ah, c'est. Attendez, tu t'appelles comment? C'est Chiara. Chiara, vous avez du bois ou pas pour faire une torche? Oui, il y en a normalement dans la case. Ok, j'y vais. Axel, est-ce que tu sais comment on fait une torche? J'ai essayé de croquer et c'était un peu dur le chocolat, je crois qu'on peut pas. C'est pas possible, je parle avec un des... Alors, pour faire une torche, il faut un bout de bois. Oui. Et du feu. Oui. Et un allumette si possible. Oh, un bout de bois ça. Un bout de bois ça suffit? Ouais. Mais non. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Comment t'as fait? Ok, t'es la boss. Je te respecte. Comment tu as fait? Tu prends une torche. Mais elle est où? Où ça? Où? Bah là, dans le feu, tu prends un bout de bois enflammé. Et voilà, t'y arrives pas. Eh, ils sont cons là, le Mathieu, hein. Putain, c'est vrai que je me sens bien con. Et en fait, t'es pas si coconne que ça, hein. Mathieu, ça fait quoi d'avoir faim? Mais je cherche une... Comment je fais la... Comment j'arrive pas à faire la torche? C'est pour ça, mais... Tu te moquais bien de nous quand on arrivait pas. T'es éclaté au sol sur le camp. Mais non, je suis pas éclaté au sol, dites pas ça. Je suis en train de récolter du bois et faire une torche pour... parce qu'il fait froid pour nous tous. Quand j'ai nagé, vous savez que je pensais avoir trouvé une baleine. Les gars, je... Et en fait, j'ai trouvé une barque avec un coffre et il nous faut une clé pour l'ouvrir. Quoi? En gros, je t'explique. Il y a comme des légendes et des choses spéciales qui se passent sur cette putain d'île, ok? Ok. Et petit à petit, on n'arrête pas de trouver des pages, des manuscrits de gens qui ont vécu ici. Mais comment ça, des gens qui ont vécu ici? Moi, quand je suis allé sur Airbnb, il y avait pas écrit ça, hein? Ah bah, je peux t'assurer qu'il se passe des choses pas nettes. Comme par exemple, des fourmis qui font 2 mètres. Ok. Mais arrête de me faire des avances, s'il te plaît. C'est toi qui me fais des avances? Non, c'est toi. Tu veux que je partage mon rat avec toi? Tu vas vraiment manger le rat, là? J'ai vraiment faim, donc oui. Non, mais moi, j'ai vraiment très très faim, mais je vous laisse la graille. Je vous laisse la graille parce que je suis vraiment généreux, vous inquiétez pas. C'est pas grave si je meurs de faim, je le fais pour vous, les rouges, l'âme des rouges. What's attends, my name, attends, qui Red? Qui c'est là-bas sans nous, où ça nous dire là-bas? Dans l'eau? Ouais, regarde, il y a quelqu'un qui est là. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qui ça? Mais c'est des fous. Qui avait donc la clé? Mais quoi? Il nous faut réellement une clé. Il nous faut c'est quoi ce bordel? Mais on est d'accord que s'il y a une clé. Ok, les gars, je vais vous expliquer. J'ai des infos. Écoutez-moi, j'ai des infos. Vas-y. En gros, de l'autre côté, ils avaient trouvé aussi une sorte de boîte de congélation où il fallait une clé. Et Jax, il avait la clé, sauf qu'il s'est fait éliminer avec. Je crois qu'il a fait comment la clé? Tu sais comment il l'avait trouvée? Il l'a trouvée sur l'île, il l'a cherchée. What the fuck, mais l'île elle est trop grande. Ouais, mais on peut pas, il fait froid et tout. J'ai trop froid les gars, j'ai trop froid, je peux plus rien faire. Go, viens. J'ai me réchauffer. Va. Il y a des radios dedans, j'ai trouvé des radios. Et moi j'ai les codes fréquences. Envoie une radio Axel. J'en ai une. Tu le veux? Oui. Dis, s'il te plaît. S'il te plaît Axel, est-ce que tu peux me filer la radio? Dans l'eau. Non, je l'ai rattrapé au dernier moment. Viens Axel, réunion. Ok les gars. Je suis fier de vous aujourd'hui, vous avez eu des bonnes récoltes.
On a géré. Alors, à ce qui paraît, les amis, il y a quelqu'un qui a trouvé des radiocommandes. Est-ce que c'est vrai cette info? Oui, j'en ai une dans ma poche. Il y a une séquence dessus ou pas? Ouais, il y en a qu'une. Attendez, je vais essayer. C'est Axel qui l'a trouvé, attendez. Ok, la fréquence. Ouais, ils sont pas frères. La fréquence, c'est 112,10. Attends, mais tu sors ça d'où, toi? On l'a trouvé dans les tonneaux là-bas. Mais bon Dieu, mais écoutez-moi, fermez vos cœurs un peu! J'ai trouvé un papier où c'est écrit Tom, la fréquence radio pour communiquer, et UGC, l'oublie pas cette fois. Ah, Tom, Tom, c'est le producteur. Ah, je ne sais pas, moi, Tom, ça doit être l'aventurier. U, c'est pour le, la place dans l'alphabet, G, c'est 7, c'est... Oui, c'est les 3. Lettres. Ah, ouais, c'est possible. Ah ouais, t'as... Okay. Ah ouais, t'as... U, c'est combien? A, B, C, D, E, F... Attends, A, B, C, D, E, F, G... Mais les gars, peut-être que c'est juste une fréquence où faut parler, là, la fréquence qu'il y a actuellement. Bah, là, je parle dans la... Je parle dedans. Il y a quelqu'un... terminé. Oui, je vous recevoir. Alors, écoutez... Moi, c'est Marzuka à l'appareil. Marzuka à l'appareil, oui. J'ai trouvé une carte de l'île. Quoi? Montre. Et j'ai pas trouvé que ça, j'ai trouvé une carte de toutes les îles avec des croix où on peut trouver des trésors. Incroyable. Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Terminé. Oui, oui, terminé. Ah non, mais c'est toi qui parles. Oui, c'est. Oui, c'est Marco qui a l'appareil. Mais vous êtes con, quoi. Est-ce qu'on m'entendait ici? Ousmane Dembélé allait vous faire enculer à l'appareil. C'était quoi? Quoi? Les gars, il y a un bruit. Il y a quelqu'un? Regarde la carte. Il y a quelqu'un? Oui. Vous m'entendez? Les gars, 21-73, il y a quelqu'un? C'est quoi? Radio, attends, s'il vous plaît, je vous ai entendu. Chut, chut. S'il vous plaît, il a fait ce bruit-là, il a fait. C'est moi qui est en train de manger. Vous m'entendez? Non, non, non. Non. Je fais de ma gueule encore. Mais non, mais non, c'était pas un bruit de toi en train de manger. Non, il y a eu un bruit, genre. Un esprit ou un truc étrange. Les gars, allumez la radio, fermez tout le vocal. Attends, vous entendez? Attendez, qui? Allô, vous m'entendez? Mais non, mais c'est pas possible. Mais je vais péter. Ok, c'est bon. Station, là. J'ai capté ta carte, nana. 21.73. Tu m'entends? Vous m'entendez? Mais on répond pas. Mais elle est où? Allô? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Attends, mais là, j'ai un bug de fou, là. Attends. J'ai un bug dans le cerveau. Il est complètement con, lui. Tiens, ce putain de rat. Il y a quelqu'un à la radio qui a dit monsieur Mathieu. Oui, vous m'entendez? C'est qui? C'est qui à la radio? Ouais, c'est qui? Hassan? C'est qui? C'est Hassan? C'est Mathieu, c'est monsieur Mathieu. Mais ça va? Oui, mais... Attends, je te passe quelqu'un. Mais apparemment, c'est l'autre camp. Ah, donc le fréquent, c'est 1140 et ça sert à communiquer avec non, l'autre camp? Non, c'est 2173. Ah bon? Mais comment t'as trouvé ça? Bah, c'est toi, tu me l'as donné. Mais non, je t'ai pas donné. La carte, moi, je t'ai donné. Bah, attends, pourquoi j'ai mis 2173 alors? Il s'est passé quoi? Attendez, là, on va tous au bunker, vous voulez pas venir? Si. Ah, si, oui, si, pardon, venir, oui. Si, je vais venir, je te suis partout, ouais. Ouais. Vous m'entendez ou pas à la radio? Ouais, j'entends dans la radio, ouais. C'est qui? C'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, bah, ça dit quoi? Vous faites quoi, là? Mais pourquoi il y a une radio où on se contacte, où on se parle? Vous aussi, vous avez eu un message et tout? Non, rien du tout. Ouais, avec une fréquence, un truc et tout. C'est quoi, cette histoire? Et est-ce que vous avez reçu une carte? Oui. Je sais pas s'ils ont trouvé votre bunker, là, parce que je lui ai dit qu'est-ce que vous avez trouvé. Eux, ils m'ont parlé que de cartes et de d'autres trucs. Mais ils m'ont pas parlé de bunker. Est-ce que vous pensez que qu'ils ont un bunker? En fait, je t'explique pourquoi je suppose que c'est un bunker. Parce que sur la carte, c'est exactement la position du bunker. Et donc du coup, on le voit sur l'île des Rouges et on voit également sur l'île des Jaunes. Donc ils ont forcément un bunker, en fait. Monsieur? C'est qui, ça? C'est quoi, ça? Monsieur? Non, mais là, ça devient complètement taré. Attendez, c'est peut-être un des sacrifices qui a été ressuscité. Attendez, j'ai une... À 3, on lui met une droite. 1. Non. Il faut faire du mime. Comment ça, du mime? Les gars, je l'ai reconnu. Je mime. C'est Bob, c'est qui? C'est Bob le Gob. Je peux même pas cliquer sur lui. Vous pensez que je devrais lui faire un pestacle comme à porte de la chapelle? Mais réagis pas. Mais les gars, je peux j'ai même pas cliquer sur lui. J'ai entendu faire la danse nuptiale, elle réagit pas. Ouais, je vous ai entendu, là, j'ai mis. Mais c'est quoi, ça? Mais il est de marbre. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que c'est? Avec le teint si pâle. Oh putain, ça me fait du bien, venez, on lui défonce la... Ah oui. C'est toute ma putain de frustration de cette île de merde, sale fils de pute, tiens. Essaye. Ah, t'as essayé 112.1? C'est quoi? 112.10. 112.10. 112.1. Ça a pas marché. Redonne le code fréquence, Mathieu. C'était 112.1. Ah, ça a pas marché, les gars. Bah, c'est pas ça. Je veux pas être casse ambiance, mais là, il faut qu'on retourne au camp, qu'on boive, qu'on mange et qu'on soit prêt pour les épreuves, là. Ah bah, en fait, pour tout dire, je suis déjà mort. De fatigue. Oh, tu vas mettre longtemps à rentrer, toi. Et toi, c'est mérité.
une framboise peut-être, une fraise, quelque j'ai chose. J'ai absolument rien, je crève la dalle, rien je crève de faim. Désolé, mais chacun pour sa peau. Mais attends, mais c'est censé être ton ami, comment il t'a lâché? Ah bah là, je pense qu'il en a plus rien à foutre. Hein. Mais il en a rien à foutre de ta gueule, là, tu le prends pas mal. On peut être amis. Tu veux qu'on soit amis? On peut se partager quoi comme sujet en commun? T'as voté pour qui? Comment ça, j'ai voté pour qui? Les dernières élections, t'as voté pour qui? Les élections quoi? Présidentielle. J'ai voté. C'est quand même confidentiel, ça, comme question. Si tu dis, on pourra pas être amis. Bah attends, toi, t'as voté dire. Pour qui, toi? Je dis pas, tu dis d'abord. On dit en même temps, à trois. Ok. Un, deux, trois. Maréchal blanc. Pétain. Oula. C'était comme blanc, ça comptait pas. Ah, ok. Allez, viens avec moi. Putain, t'es super fort en fait. Ouais, super fort. Bah non, mais bon, moi ça me fatigue aussi là. Attends, mais c'est par où par contre? J'ai aucun sens de l'orientation. Ouais, continue par là, un peu plus à droite. À droite. Ça m'appuie sur le bi. Ah, mais c'est quoi ces pépites? Putain, trop fort sur le bide. Ça m'encule. Mais non, mais je te porte pas pour ça. C'est bon, je me retiens, promis. On est bientôt arrivé. Pardon. Oh non, allez. Non, mais c'est... Va, essuie-toi le cul avec le buisson, là, à côté, là. Allez, essuie-toi le cul avec le buisson. Là. C'est bon, j'ai bien frotté, mais j'ai pas d'eau. Non, mais tu... Comme si c'était du PQ, tu prends la feuille et tu t'essuies le cul avec, là. Allez, go. C'est Merci. Par où? Attends, je sais plus où on est. Ah, comment... Wesh. Wesh? Comment ça? Mais quel est ce dialecte? Pardon, je viens... Oula, mais... Et puis c'est pas mon ami, tu peux me croire. Non. Oh, vous êtes un espion, en fait, vous faites partie des leurs. Oh, Star, pour là, n'importe quoi, t'as non, ouf Non, je vous permets pas. Oh, bah, t'as gagné. Allez, C'est bon, allez. C'était... Allez, c'est bon. Si t'as pas mon aide, tu sais pas comment rentrer. C'est vrai, je suis totalement perdu. Allez, hop. Allez, c'est bon, pardon. Allez, viens là. Je suis vraiment magué. Ouais, cette vitesse, je peux le faire aussi, hein. Sans vouloir être désagréable. Ah, c'est bon, je fais un effort. Bah oui, wesh, la coco t'as pris. Oui. Eh. Mais c'est qui là-bas, là? Pourquoi il... Bah, c'est un caméraman, c'est toi Pourquoi qui il y a Rof en haut de la falaise? Ah, Dieu. Je le porte, il se sent pas bien, il est en train de se faire dans le cul. De fou. Il est en train de chier de partout, j'en peux plus. Oh putain. Les gars, faut qu'on reprenne des forces, c'est une épreuve bientôt. C'est quoi l'humeur en ce moment, là, dans le camp, là? C'est parce que votre groupe d'hypocrites, là... Non, écoute. Et on votera pas pour toi ce soir. Pourquoi? Vous avez déjà décidé de quelqu'un? Ouais, hier on a déjà décidé. C'est qui? Il y a un duo, il est trop dangereux, ils sont tout le temps ensemble. C'est qui? Je crois que c'est Jacques et putain, j'ai plus son blaze. Mais vous connaissez même pas! Je vous suis, vous me dites et je vous suis. Mais vas-y. Normalement, c'est pas toi qui vas sauter. Après, les autres, ils voulaient, mais ils ont changé d'avis. Ils voulaient me sauter? Ok non, les gars, on va graille maintenant. Ah. D'ailleurs, qui c'est qui a ma carte? On peut me la rendre s'il vous plaît? Personne va rien te rendre. Petite cuisson de rat. Mathieu, viens avec moi deux secondes, s'il te plaît. Ok, vas-y, viens. Ouais, viens avec moi. Eh, j'attire vraiment toutes les meufs du camp, c'est pas possible. Hein. T'arrêtes de me suivre comme ça, là. J'attire toutes les meufs du camp, là. Attends, j'ai capté ce que tu veux me dire. Attends, le caméraman, deux secondes, je dois lui dire quelque chose en privé. Dis-moi tout. T'as ma carte ? Vas-y, dis-moi tout. Donne-moi ma carte, s'il te plaît. Dis-moi tout. Non, mais sérieux, ce que tu voulais me dire pour de vrai. Ma carte. Mais de quoi ? La carte de quoi, là ? Ta carte de quoi ? Ah, tu veux ma carte d'identité, genre pour vérifier mon âge, je suis pas mineur. Hein. Tu peux parler avec moi calmement. Aucun souci. Je te promets que je suis pas mineur. Quoi? Attends, mais. T'es sûr que c'est pas toi qui me drague là? Mais attends, mais là c'est quoi ce truc de fou là? Mais t'es vachement entreprenant quand même. Non, mais attends, mais c'est toi qui a sauté dans mes bras là. Bah, pas du tout. Mais bien sûr que si, c'est toi qui a sauté dans mes bras. Non, mais attends, arrête de filmer toi. Attends. Les gars! J'ai du rat et une cochonne! Mathieu, t'as la carte à nana ou pas? Oui, mais oui, je suis ok, sûr qu'il je l'ai, c'est bon. Mais attends, mais prends mon rat, il cuit pas. Mais frérot, c'est toi le rat. Ah non, ça c'est un CSC énorme, Ah mais là, c'est bon. Wouah, le poisson de fou. Énorme le poisson. Mais c'est quoi cette folie? On dirait une viennoise. Le caca, c'est délicieux. Je voudrais un pain sucré. Non. Regarde-moi ce soir, tu sais quoi? Je vais pêcher au Nana, ok? Ce soir, je la pêche où? Dans les buissons. Ok, et bah regarde, je vais venir et je vais t'observer et je vais te donner des conseils. Je vais te dire tout ce que tu dois lui dire parce que je veux parler. J'ai envie que tu m'observes, j'adore quand on me regarde. Ah, tu me... Attends, t'es proche là quand même.
Hey, toi tu t'es trompé, c'est pas ici que t'aurais dû venir, t'aurais dû aller à Frenchy Store. C'est quoi Frenchy Store? Frérot, t'aurais dû aller à Frenchy Store, c'était exactement là où t'aurais dû aller, t'as rien à foutre ici. Attends, viens avec moi. Non, en fait, c'est bon. Mais toi, t'as des problèmes mentaux, qu'est-ce que tu me... Bah ouais, un peu, j'ai besoin de parler, ok? Ça va pas du tout dans ma vie. Bah, vas-y, viens, on va parler. Attends deux secondes, juste fais cuire ton rat. Bah, plus vite que ça. Bah non, mais en fait, ton rat, il est déjà cuit, je crois, hein? Ah non? Bon, bah, écoute, je pense qu'il a la... Ok, donne-le-moi. On dit comment? S'il te plaît, donne-moi le poisson, je t'en supplie, bah je me mâche. Oh. Je vais le piquer dès qu'il va partir. Ok. Là, je le prends. Non mais les gars, c'est une MJC là. Vous faites quoi? C'est quoi cette MJC? Quelquefois ça. Pour quelques billets. C'est pas possible. Ça part. Mais c'est une MJC là. Faut qu'on mange, faut qu'on boive. Il y a une épreuve. On peut pas se détendre. On a fait une table de cuisson nous. Si, c'est bon, t'inquiète. Tiens Mathieu, tiens mec, tiens, régale-toi. Les herbes. C'est bon Mathieu ? On a tous reposé avant les épreuves. Où le poisson ? On me l'a volé ! Au voleur ! Tiens, j'ai quelque chose pour toi. T'inquiète, j'ai quelque chose. Quelque chose pour manger si tu veux. Bah, je me cuis une carpe là. Eh ben, va te faire enculer alors. Ah, c'était pas moi, je croyais que c'était pour Mathieu. Mais non ! Je croyais que c'était pour Mathieu ! Ah, je mange un bon petit crabe. Bah, bon appétit à vous en tout cas. Entre nous, j'aimerais bien te parler d'un truc, mais bon. Vas-y, dis-moi. Bon, t'es prêt ? Je vais te parler très rapidement. Vas-y. Bon, Vince, il veut prendre le lead depuis le début de l'aventure, et là, il a décidé, ça fait depuis tout à l'heure, qu'il voulait t'enculer. C'est qui, Vince ? En gros, l'argument, c'était on prend les infos et on l'élimine ce soir, comme ça, on reste tous soudés. Quoi ? Ça reste entre nous, j'espère que tu me baisses pas. J'espère vraiment que tu alors là, pas. Mais regarde, c'est pas compliqué. En fait, moi d'habitude, je fais pas confiance aux gens comme toi. Les blancs ? Non. Les mecs de 40 ans ? Non. Les agents de Bixicom ? T'as réveillé mon démon. Putain, mais ce crabe, il est excellent. Eh, mais pourquoi tu peux... Eh, Kara ? Ouais. Toi, tu penses quoi de moi ? Je vous connais pas plus que ça, mais vous étiez vraiment en but de vous-même quand vous étiez pas. C'était pas le vrai moi. C'était pas le vrai moi. C'était pas le vrai moi. Non, c'est pas la même chose. Non, je te jure que c'était pas le vrai moi. Mais c'est normal. C'est parce que j'avais la pression. Tu sais, c'est quoi l'amitié de production, etc. Si la drogue, etc. Machin. Maintenant, il y a plus tout ça. Je suis devenu quelqu'un de normal et je suis quelqu'un de super sympa. Allez, on va faire une petite balade, Kara. Ah, Kara. Quoi ? Ouais, moi, ça a mal démarré. Je pensais que t'avais pas de valeur, mais au final, Kara, tu vaux plus que 100 carats. C'est tout ce que t'avais là du coup. Et quand je te vois, tu rayonnes, tu me fais limite mal aux dents, comme si j'avais 100 caries. Avec toi, je suis à l'aise. Je crois que je vais aller pêcher, hein, ça. Comme si j'étais avec mon pote Bakari. Ok, pardon. Ok, écoute, j'ai quelque chose à te demander. Quoi ? Moi, je peux vous apporter une aide incroyable au camp. Je connais plein de choses, je sais plein de choses, j'ai des infos. Mais j'ai besoin d'avoir votre confiance. En fait, je vous ai observé de l'extérieur, vous êtes des hypocrites, vous faites genre le pouvoir de l'amitié et tout ça, mais vous parlez tous dans le dos. Non, je suis pas au courant. Ah ouais ? Eh bah quand j'étais à l'autre bout du... Je vais pas dire le blaze, parce que je veux pas traiter... Ça t'appelait, ouais, je sais pas quoi, le yaourt bigou, machin, malabar bigou, à cause de ta coupe de cheveux, ça disait, ah ouais, fan un peu. Et moi je disais, mais non, mais les gars, vous pouvez pas parler comme ça d'elle, elle vous aide et tout au camp. Du coup là, t'essayes de faire en sorte de me dire que toi t'es du bon côté pour que je vote pas contre toi ce soir. Non, je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que moi je veux pas qu'il y ait d'hypocrisie. Et j'ai l'impression qu'il y a des hypocrites et on est venu me voir pour me dire qu'il y a des... Attends, mais t'as une paire de Prada là ? Ouais. T'es blindé de chum ou quoi toi ? C'est pas vraiment des Prada, c'est des Prado. Ah, c'est des Prado, ok. Ouais. Ok, super. Ah, bah je crois que c'est le moment de l'épreuve. Ouais, ici. Est-ce que c'est vrai que ça manigance contre moi ? Attends, y'a Kara là-bas. Est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que c'est vrai que ça manigance ? Oui et non. Y'a des gens qui voulaient t'éliminer, mais ça change un peu d'avis là. Ok. On en parle après l'épreuve. Vas-y. Ça va Mali ? T'es vraiment un bon Mali. Bonne chance à tous. Hein. Bonne chance Mali, ça va Mali ? Oui, bonne chance. De bonne chance. Ça fait peur. Mais hein. Comment ça, suceur ? Mais non, mais Mali, pas de centre. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Ça va et vous ? Bah alors, vous êtes élégant aujourd'hui. Ouais, je sais. Vraiment, c'est incroyable, hein, la prestance que vous avez avec votre casquette. C'est quoi, c'est quoi comme casquette ça ? Sans marque. Sans marque ? Ah oui, vous êtes humble, vous vous en foutez des marques.
C'est ça. Ah, les gars, gardez en haut. Incroyable. Gardez en haut, les gars. C'est le charisme qui fait tout. Oh, y'a un Wingardium Leviosa. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît, tout le monde, venez. Y'a un magicien. Nous félicitons aussi votre organisation et votre façon de gérer votre camp. Vous êtes des vrais survivants à nos yeux. Suceur. Oh. Quoi? Bon, alors hein, ça, je l'aurais pas tenté. J'ai cru entendre quelque chose, mais on va dire que c'était juste un papillon qui passait. Non, moi, je suis d'avis d'éliminer de l'épreuve la personne qui s'est manifestée. Ouh là là, qui a dit ça? Bon, j'aurais pas aimé, hein, vraiment. Qui a dit ça? Je crois que c'est Pierre. Okay. Non, là, mais, oh, là, mais la balance! Oh non, mais la balance! Oh la poucave! Oh la poucave! Il faut que j'en profite! Faut que j'en profite! C'est pas l'ordre des roues! Oh la poucave! Oh, je déteste les poucaves! Oh le traître! Oh, je déteste les traîtres, la poucave! Oh, je suis choqué, je vais me jeter d'une falaise! Une personne va être éliminée à l'épreuve d'immunité. Vous pouvez choisir entre la personne qui nous insultait ou la personne qui nous la poucave. Faut que j'en crée. Oh les bâtards. C'est vrai? Oui? C'est une blague? Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il ne pourra pas participer à l'épreuve d'immunité. Et je vous laisse le choix entre la personne qui a insulté la production et la personne qui a voulu le balancer. Non, mais on va se faire un combat. Non, mais on va se faire un petit combat. Oh! Combat. Ah ça, nos spectateurs vont adorer. Ah oui. Tiens, allez, le combat. Ah oui, y a des comptes à régler. Allez, réglez-vous. Les deux participants derrière moi. Quand vous voulez. Go. Non, mais c'est une catastrophe. Aïe. Allez. Ouais, allez. Ah, le combat d'alcool. Cassez-vous la gueule, là. Mais Pierre, de boxing, là, les Pierre il attaque à distance. Il a un rapid fire. Mais battez-vous, bordel. C'est une catastrophe. Par contre, c'est horrible, là. Oh, mascarade. Oh, ça y est. Ah non, mais c'est une catastrophe nucléaire. Du shadowboxing. Arrêtez-moi ça. C'est bon, Pierre, il a la méta. Pierre, oula. Pierre, utilise ton passif. On arrête, mais du coup, qui gagne? Ah, ils ont prouvé qu'ils pouvaient peut-être participer, non? Allez, retournez, vous pourrez participer. Oui, en effet. Pour avoir offert un beau combat à nos téléspectateurs, vous avez le droit de participer. Vous courez en haut de l'arbre. Il y a des œufs à récupérer. Celui qui ramène le plus d'œufs a gagné l'épreuve d'immunité. Parfait! Les gars, croyez en moi, je vous en supplie. Non! Il y a des trous, faut les éviter. Non, là il y a des trous. Oh putain. J'ai les trois œufs. Si je tombe, je casse les œufs, je pense. Let's go. C'est celui-là. Il y aura un deuxième round pour vous départager. Le deuxième round, c'est l'œuf d'or. C'est-à-dire que c'est le premier qui arrive à rapporter au moins un œuf. Mais du coup, on part d'où? Alors, vous allez partir de cette ligne. Mais attention, le premier qui ramène un œuf. Ok. Et bonne chance. Non, j'allais réussir, les gars, j'étais parti pour, je le jure. Ousmane a été important dans cette victoire parce que sans lui, j'aurais peut-être pas gagné. Suce moi fort. Vince, trop fort, let's go. Bien joué, Vince. Excellent. Je veux que tout le monde applaudisse Vince, on est une équipe soudée. On applaudit Vince. Félicitations à lui. C'est excellent, mais franchement, c'est excellent, Vince, t'es excellent. Ouais, la personne à qui j'ai moins parlé, Mathieu, c'était pas lui, mais... Tout à l'heure, t'étais en train de discuter avec les autres et je vous ai entendu parler d'élimination, vous partez sur qui? Avec qui j'ai parlé? Avec Richard et Jacques. Moi, c'est juste qu'apparemment, on m'a dit que ça me ciblait, c'est tout. Bah non,
Attendez, venez, on va un peu dans la forêt, non? Bah si, Nana, dis la vérité. Si. Attends, venez. Venez. C'est blême, mais je les ai convaincus de pas le faire. Bah ouais, parce que je suis trop frais. T'as kiffé? Non, parce que tu peux être utile. Bon, de base, on allait te voter toi, parce que dernier arrivé, premier sorti. C'était okay. le truc, quand tu parlais à la production, c'est ce qu'on a décidé. Sauf qu'on est revenu sur notre parole, bien conseillé par Nana, on a bien discuté. Et on s'est dit qu'on voulait éliminer un des duos, tu sais, entre Jacques et Richard, un des deux. Ok, mais moi, Jacques et Richard, Richard surtout, il est venu me voir et m'a dit que vous vouliez m'éteindre. Oui, c'est ce qu'on voulait faire au début. Et il m'a dit que t'étais un sacré manipulateur. Qui, moi? Ouais. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, tout le monde va s'insulter de manipulateur, c'est pas ça qui va me vexer. Après, c'est comme vous voulez, soit on élimine quelqu'un qui fait pas le taf sur les épreuves, et ça, à nous de se décider. Soit on élimine des gens dangereux qui, moins on va être, plus les alliances vont être dangereuses, et les alliances qui se dessoudent pas, elles sont vraiment très dangereuses. Sais que les deux, ils sont tout le temps ensemble, ils font leur vie tout le temps ensemble. Ça se trouve, ils connaissent des codes, ils connaissent des trucs, mais ils garderont que pour les deux. Ouais. Moi, je pense que c'est trop dangereux. Ça, c'est ce qu'on a dit hier. Moi, je leur parle beaucoup et je pense vraiment qu'ils n'ont pas grand-chose. Moi, Chiara, ce serait mon premier vote. Oui, mais bah, ça, attendez, mais vous êtes où? Vous avez pas vu, là? Quoi? Elle vient de passer ou je... Elle vient de passer, elle est en train de nous espionner, elle écoutait tout. Mais c'est pas grave, de toute façon, tout le monde va savoir. Je t'ai jamais entendu parler des votes, Axel. C'est quoi ton avis? Parce que tu... Ouais, c'est vrai, l'ancien, là. L'ancien. Ouais, nous écouter, cette folle, on dirait. Mais t'avais dit que c'était ton ami. Attends, il a dit quoi? Je l'ai pas entendu. Il a dit... Oui, mais excuse-moi, mais les deux, ils sont... Elle va m'écouter, hein, cette folle, on dirait. L'autre, là, elle est passée. Ouais, moi, je disais, avec Ousmane, c'est vrai que les deux... Ouais, mais ils sont inséparables. Je les vois jamais, je sais pas ce qu'ils font. Ben, on est d'accord, après, tu vois. On avait dit avec Ousmane. Ouais, ça va, vous les séparer. Ouais. Non, on va se réchauffer. Faut qu'on aille se réchauffer au feu. Les gars, je tiens juste à vous dire que le duo, je suppose que le duo, vous pensez, réfléchissez, duo, ça vous fait peur. Jusqu'ici, on n'a jamais utilisé ça pour se retourner contre qui que ce soit. On a suivi tous les votes qui étaient organisés à plusieurs. On s'est jamais retourné contre personne. Je peux comprendre que vous le voyez comme un danger, mais pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Il y a eu des trucs bien plus louches qui ont été faits sur le camp. Je préfère... De toute façon, je sais ce qui est en train de se passer, donc vous en parler directement et clairement. Dis-nous ce qui se passe sur le camp. Bah, il n'y a pas plus tard qu'hier. Bon, on vient de ça, il y a l'épreuve d'immunité, ouais. Mais je ne veux pas un dessin. Tout le monde l'a vu, ce qui s'est passé. Il se passe qu'aujourd'hui, on rentre au camp, tout le monde invite à voter pour quelqu'un. Après, les plans changent, je sais pas. Moi, je dis juste qu'on a toujours été droit et... Ok, juste parce qu'on a j'ai une question, pas, pour j'ai une question je pense simple. Qu'il y a un problème dans le fait. Parce que ouais, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation. Bah, c'est ça, c'est pour ça que j'ai une question simple. Pour vous, c'est qui? Pour vous deux, c'est qui le vicieux ici? C'est qui le manipulateur et le vicieux? Bah, il a clairement un total d'immunité pour l'instant. Et Ousmane. Hier, il a fait un truc tel ou Ousmane, s'il y a eu un seul vote contre toi, c'est parce qu'en fait, tout le groupe a décidé de voter unanimement quelqu'un. Et en fait, il n'y en avait qu'un seul qui avait dit non, les gars, faut voter Ousmane. Et ça s'est décidé en 50-50. Et c'est qui? Et c'était lui qui. Bah, c'était Vince, bah, c'est Vince. Qui avait décidé de voter Ousmane. Vince, vous êtes en train de dire que c'est un manipulateur et un vicieux. C'est une tête de groupe. Ok, les gars, on va faire un truc. Celui qui a le moins de cheveux, il sort. Non. En plus, regardez, un truc qui est vraiment, comme ça, je suis vraiment honnête, c'est que là, j'essaierai de vous dire, de vous inciter à voter pour quelqu'un qui n'a pas le total d'immunité. Oh merde. Non, je vais bien, vous en faites pas, ouais. Ok. Wow, wow. J'ai un peu contact avec la nature. Si là, j'ai pas d'idée de nom. Par contre, je sais quelqu'un qui veut retourner tout le monde les uns contre les autres et qui veut prendre la place de leader parce qu'à chaque fois, ils font des prises de position. Il voulait dégager Ousmane, il a essayé de convaincre ouais, tout le monde. Ousmane, ça n'a pas marché. Il a essayé de convaincre Didier Mathieu aujourd'hui, ça n'a pas marché non plus. Et à chaque fois, c'est cette technique-là. Donc là, j'ai pas d'intérêt à vous le dire, puisqu'il a l'immunité. Je vous parle pour plus tard. Ok, je suis d'accord. Dire, on est honnête. Ouais. Genre, on n'essaie pas de manigancer quoi que ce soit. On est un duo qui suit à chaque fois les mouvements de groupe. On n'est pas en train de fomenter quoi que ce soit ou de prendre la partie pour dire des gens viens, on fait ça plutôt. À chaque fois, c'est ça. En gros, là, je pense que. Ils veulent virer l'un d'entre vous. Et moi ça m'embêterait de vous voter. Je pense personnellement que Chiara est vicieuse, comme tu l'as dit, Mathieu. Donc moi, je serais pour éliminer Chiara, sachant qu'elle est arrivée dernière à toutes les épreuves. Moi, je vous dis la vérité, puisque vous êtes là. Vous savez que j'ai jamais caché mes votes avant un conseil. Pour moi, c'est un de vous deux, parce que vous êtes beaucoup ensemble. Ouh. Et que du coup, on pense à potentiellement craquer le duo, tu vois. Vous voteriez qui? Si on est honnête, même si c'est quelqu'un d'ici.
Mais moi, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, mais je suis vrai le call et. Là, je me fais discret. Moi, je suis vrai le call. Je me fais discret, et les le gars. Call, bah, vous connaissez tous. Sauf une personne, voilà. En fait, moi, les arguments sur vous, je les comprends. Parce que plus ça va se réduire, plus vous allez être dangereux. Ensuite, les arguments que vous donnez sur Vin, je les comprends à 200% aussi. Ensuite, les arguments que ça donne sur Kara, je les comprends aussi. Dans tout ça, qui est hypocrite? Qui ment? Eh ben pour l'instant, pas nous. C'est juste ça, mon avis. Ok, bah venez. Maintenant, venez, on fait un résumé. Il y a eu des votes depuis le début. Est-ce que vous avez senti à un moment donné qu'au résultat des votes, il y a des gens qui ont menti et qui ont été hypocrites? Pas vraiment. On a souvent annoncé nos votes à l'avance, en vrai. Donc tout le monde a été réglo. Ici, c'est les bisounours. Non. Ah oui, attends. Bah, toujours. Non, pas forcément, mais... Aujourd'hui, on avait un plan pour les votes. Moi, je bitnais, j'étais en mode, ok, les votes, c'est ça. On rentre, apparemment, les votes, c'est plus ça. Dans l'histoire, je suis désolé, mais je peux vous inquiéter peut-être. Mais en fait, j'ai été purement inoffensif aujourd'hui, quoi. On suit les votes publics, on les respecte toujours. On n'a pas fait de coup fourré pour l'instant. Je comprends votre raisonnement, mais franchement, je comprends pas pourquoi maintenant, là. Je comprends pas. J'ai une question, mais vous donnez votre avis sincère, ok, tous. Mm-hmm. Si là, on se dit, on n'en parle plus, on va au vote, chacun vote ce qu'il veut. Est-ce que vous acceptez ou pas tous? Bah ouais. Parce que là, c'est soit ça, soit on prend tous du doigt quelqu'un dans 3 secondes. Et le truc, voilà, c'est que tu sais très bien que ça va pas être respecté. Il y aura forcément des clans qui vont se créer et qui vont se mettre d'accord. Pareil, je suis d'accord avec. On doit voter maintenant là. Non, mais là, il faut aller voter, là, bah, chacun vote ce qu'il veut. Et puis il voilà, peut faire le chef, il peut parler autant qu'il veut, il a un totem. Ouais, ouais, il peut nous pisser dessus, il a un totem, il est invincible. Il peut dire ce qu'il veut sur nous. Là, il peut me traiter de petite chienne, je vais aboyer. Il a un totem, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Je peux rien faire. T'as toujours le même avis ou pas en tête? Ouais. Tu vas pas bouger. Moi, c'est Richard. Mais personne s'est mis d'accord entre Richard et l'autre. C'est qui les deux? Vote Richard, je t'inquiète pas, j'ai géré. Et c'est qui l'autre? Féro, c'est Richard qui saute si tu votes Richard. Putain, je suis perdu, Richard. Voilà, mon pote, je sais pas ce qui se fait, donc je peux rien faire, moi. En fait, la réalité, c'est que t'as raison. Vin, c'est un manipulateur. Bah oui, mais c'est quand même pas compliqué. Et oui, encore, t'es là mais que d'accord, mais d'accord, mais merci pour l'info. Mais ouais, il a un totem, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Bah c'est pour ça, je te dis, là, je sais pas quoi faire. Juste, voilà, pour la prochaine fois, moi, je vais lancer mon truc. Si jamais c'est par ce soir, vous saurez quoi faire pour la prochaine fois, quoi. T'as voté qui? Le K. Qui? Le K ou le C, je sais pas comment ça s'écrit. Je parle de Karim. Ah, y'a un Karim ici? Non, mais dans le doute, je vais voter pour. Ah, on sait jamais, au moins c'est expulsé, quoi qu'il arrive. Voilà. Oh putain. Je te remercierai plus tard. On boit là-dedans, on pêche là-dedans. Voté, ouais. On boit pas là-dedans. On fait tout là-dedans. Mais non. J'aurais tellement aimé normal, qu'on soit uniquement contre les jaunes et qu'on reste tous ensemble mon rêve, à la fin. Mon rêve. Ouais. Les gars, vous saurez jamais mon vote. Vous saurez jamais mon vote. Bah, vous savez quoi? Allez tous niquer vos mères. c'est une boutade, votez pas contre moi. T'inquiète, c'est passé les votes. T'es bien normalement là. Mais ça se trouve, je vais me faire niquer, ça va voter contre moi. Je vais me manger la remontada de l'année. On rigole, mais on voit pas le fond de Nicole. Quand ça va avancer, ça va être encore pire. On écoute, c'est fou là. Ah, c'est vraiment une dingue. C'est un horrible jeu. Ça a abusé, c'est horrible. C'est dur d'être dedans d'un coup. Hein. Ah, c'est toi qui l'as animé ce jeu, Mathieu. Mais moi je l'ai fait parce qu'on m'a payé pour, c'est tout. Ah, toi t'as été payé toi? Ouais, j'étais payé. T'as été payé? Bah oui. Bah là, du coup, là j'ai pas reçu l'argent, du coup je sais pas si je vais te payer du coup. Combien? C'était combien là-bas? Bah là, pour toute la campagne c'était 500 000 $. Oui. Oh putain! Ah oui! Eh ben! Putain, l'enculé! Et j'avais une prime si je repartais avec une meuf pour le spectacle. Ah, c'est pour ça que tu draguais tout le monde? Non, j'étais sincère, sincère. Ah oui. Ah oui, bah là t'es loin d'avoir, t'as même pas les cheveux courts là. C'est drôle ça. Ah pardon, désolé. Après, Patoche il a les cheveux longs hein. Oui. J'ai les cheveux longs, ouais. Et je peux vous dire que Patoche il met son pénis vraiment partout pour le coup. Quoi? Ah mais vous me dégoûtez, mais y'a que des pervers ici. Bah non, l'autre fois tu l'as sorti avant l'épreuve quand t'as pissé. Oui, puis t'as pêché avec aussi. Oui, aussi, et tu l'as mis dans un tronc d'arbre. C'est rien. Ok, je poucave.
J'ai voté Axel, ça y est, c'est bon. Allez, ça y est, c'est bon, j'en ai marre du vieux. Oh, c'est bon, oh, j'en ai marre du vieux. J'en ai marre du vieux. J'ai voté Axel, le vieux schnock, je le baise. Ça y est, j'en peux plus de ce vieux, il pue, parle lentement, il en décalé. Ça y est, j'ai voté le vieux. Il me casse les couilles. Quoi, tu vas répondre dans 10 minutes? Allez, on attend tous. Allez, l'IPTV, allez, allez, allez. Quoi? Mais... tu m'as voté? T'es un fils de pute, toi, dis donc. Eh oui. Tu commences à me sortir par les coups du cul, toi. Mais tu as pas voté contre moi. Mais non, j'ai pas voté contre toi, Axel, je rigole. Quoi? On fait 3, 2, 1 et on dit tous un prénom qu'on a voté. Ok, vas-y. 3, qui fait le décompte? 3, 2, 1... Mathieu. 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 Quoi? Hein? Quoi? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais il y avait attendez, un bois là, il y avait un bois. Non, mais il y a du bon. Faut que j'aille me rafraîchir. Attendez, je me rafraîchir. Attendez là. J'ai les larmes aux yeux. Ils m'ont mis dans le cul. Les gars, je vous jure que je le sentais. Je le sentais. C'est pas grave. Je reste le tribal chief, pose à la Roman Reigns avant de partir, comme le chef tribal au sommet du règne animal. Ils vont m'éteindre. Je le savais qu'ils faisaient des hypocrites, ils faisaient semblant de m'accueillir, etc. Ils voulaient tous m'éteindre, ça veut dire que Richard, il avait raison. En fait, Vince, il les a tous manipulés pour me sortir. Je veux juste une dernière danse. Avant l'aube et l'indifférence. C'est ma dernière danse ce soir. Je tenais à vous dire au revoir, monsieur Mathieu. Mais pourquoi au revoir? Bah, parce que je pense que c'est mon dernier soir, monsieur Mathieu. Et bah, je crois qu'on va repartir ensemble. Et bah, c'est mon dernier soir aussi. On va partir de cette île. Ah, ouais, ça baise ici, hein? Non, pas encore. Oui, j'y vais. C'est mon dernier soir, monsieur Pignon. Vous étiez passé où? C'est mon dernier soir, monsieur Pignon. Et pourquoi? Parce que je suis une pute. Mais non, c'est ce que la psy vous a dit, mais c'était juste pour vous prendre 50 euros. Non, c'est ça, c'était une escorte. Tu vois, toi, t'as rien, t'as pas de cheveux, t'as pas de charisme. Je te reconnais plus. T'es ridicule, t'as pas de charisme, mais au moins, toi, tu vas rester un vrai aventurier, tu vas être sur le camp. J'aurais kiffé être comme toi, moche, pas de charisme, pas de femme, cocu, ringard, une pute. Mais au moins, t'es un survivant. Suivez-moi les rouges. J'y vais. Monsieur, ça ne va pas là, vous êtes en dépression. Mali, je vais sûrement sortir ce soir et je tiens à te dire quelque chose. Notre relation était tendue. C'est vrai. Ça partait mal, la mort nous attendait telle un pendu. Quand je vous vois, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi, Mali? Pourquoi c'est parti comme ça? Pourquoi? J'étais au sommet de la pyramide et maintenant, je suis tombé car j'ai été trop cupide. Ta chemise violette accapare mon attention. Je vais rater tous mes diplômes. Je vais finir sans mention. J'aime beaucoup. Je suis arrivé ici, j'étais quelqu'un de sale. Et tu restes toujours un fils de pute. Merci, Mali. Alors, vous êtes tous réunis pour la délibération. Ce soir, deux d'entre vous vont quitter l'aventure. Pour le premier vote, Douglas. Oh. Un vote. Oh, ça me fait plaisir, ça. Deuxième vote. Ousmane, tu Camélia. M'entends Ousmane, c'est vrai. Camélia. Ah, je te jure. On verra bien. Nous sommes donc à un vote pour Doug, deux votes Camélia. Ah, mais ils vont vraiment têche Camélia, mais non. Camélia. Mais non. Nous sommes donc à trois votes pour Camélia contre un vote pour Doug. Mais non, pas Camélia, vous êtes des chiens. Ouais, t'es un chien. Oui, ça aussi, mais... Suspense. Camélia. Non. Quatrième vote pour Camélia. Cinquième vote... Oh non, les bâtards. Pour non, Camélia. Les chiens, les jaunes, c'est les pires chiens. Douglas, vote tout est encore à jouer. Douglas. Oh. Oh. Ça fait combien? Deux votes Douglas. Troisième vote. Oh, ça va être serré de fou, ça va être incroyable. Et c'est Camélia. Malheureusement, Camélia, si tu veux bien te lever. Déjà, j'aimerais savoir qui, de mon côté, a voté contre moi.
avant de... Tout le monde, hein, tout le monde. Hein, voilà. Non, non, mais sur les 6, il y en a 3 qui ont, il y en a 3 qui ont pas voté contre moi. Pour le plaisir, je tire les derniers camélias. Bon, bah du coup, voilà, du coup, qui n'a pas voté. Ok, donc qui... Voilà, c'est ça, qui n'a pas voté contre moi, du coup. Moi, Narine et Hassan. Tout le monde dit moi. Ça fait ok, il y en avait que 3, mais bon, c'est bizarre. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le jeu. J'ai décidé d'être joueuse au dernier conseil. Forcément, ça m'a coûté la place aujourd'hui. Ça fait partie de ce jeu. Jack, j'espère que tu iras loin et que tu remporteras ce jeu. Je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Inch'Allah. Et puis voilà. Mais il a voté contre toi. Camélia, tu vas me manquer. Bon courage. Camélia. Camélia. Camélia, tout le bonheur, Camélia. Camélia, t'es la best. Camélia, je te donne mon snap. Nous allons donc procéder au vote avec le premier bulletin. Mathieu! Quelle surprise! Tout le monde est choqué! Oh, c'est chaud. Oh là 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 là! Non, c'est Mathieu! Le deuxième vote pour. Mathieu! Qui est sur le point d'être éjecté de sa propre mission, non, c'est magnifique! Il pourra faire le caméraman, c'est bon, c'est pas grave! Le troisième vote est en faveur de. Suspense insoutenable! Mathieu! Pour moi, c'était un intérêt. Et le quatrième, pas de suspense, Mathieu. Attention. Suspense. Richard. Alors, je peux pas éliminer. Peut-être que. 4 votes pour Mathieu. Un vote pour Richard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, on est 11. Et un deuxième vote pour Richard. Attention, rien n'est joué. Attention, ah, si, suspense. Troisième vote pour Richard. Et c'est le cinquième vote. Pour Monsieur Mathieu. Pour Monsieur Mathieu. Un sixième vote et vous serez éliminé de la compétition. C'est la fin, les gars. C'est fini. C'est fini, je vous dis. Richard, Mathieu. Nous sommes donc à 5 votes contre Mathieu pour 4 votes contre Richard. Ah, rien n'est encore joué. C'est fini. Peut-être que celui-ci va déterminer le sort de l'équipe. Adieu. Ringo. Ouais, t'as quoi dans ton sac ? Et nous sommes face à une égalité. 5 votes pour Mathieu, 5... Ah non, pardonnez-moi. Non, la nous clim. Sommes au 6ème vote non, pour Mathieu. Tu peux pas me faire ça, la clim. Non. Élimination non. C'est de Mathieu. Chez Mathieu, suivez-moi. Mais Mathieu, comment ça se passe? On n'est pas payé du coup? Mais tu comprends pas. Tu vois pas que c'est. Tu vois pas que c'est. Ah je suis foutu. C'est plus moi qui dirige là. Ah ouais, pardon. C'est foutu non, mais moi, pour moi. On m'avait kick du serveur. Pardon. Je vous suis. Vous avez fait un très bon parcours. Ah oui, merci Mali. Exceptionnel, vraiment. Oui, il faut prendre le flambeau là. C'est bon, je l'ai. Hey, je vais t'inquiéter ta mère, toi. Tu vois pas là, c'est déjà la merde pour la moi. Tu m'insultes encore. La merde, éliminé, fils de pute. Avez-vous quelque chose à dire avant que nous éteignions votre flambeau? Non, je l'ai un peu senti avant de partir. Les Rouges sont un groupe très très manipulateur. Ils font croire qu'ils sont tous amis, mais se crachent tous dessus les uns les autres. Par contre. Il y a peut-être un problème parce que j'ai pas vu mon vote. Qui était pour ? Qui était ni pour Richard, ni pour moi. Bouh ! Vous pensez, vous pensez qu'on a triché pour vous faire éliminer ? Ah bah les gars, je vous jure que j'ai vraiment voté ni ça pour Richard, pas, ni pour tricheur. Moi. Mais vraiment, dégagez-le vraiment. Il n'y a aucun doute, hein, tous les votes étaient comptés, il n'y a pas eu de triche et tous les votes concernaient soit et vous, soit Richard. Autant pour moi, je tiens à passer un message aux Rouges. Allez-y. Je tiens à remercier Ousmane pour son accueil. Je doute à aucun moment que tu aies voté pour moi. Je pense que t'as pas voté pour moi et que tu blaguais sur la plage. Par contre, le reste, je vous ai senti sincère. Je vous ai senti sincère. Kiara et Vince, j'ai jamais vu des serpents comme vous. Vince, tu te prends pour le chef. Mais sache que t'es sur la sellette, personne t'apprécie sur le village. La seule raison pour laquelle t'es ici, c'est déjà, il y a deux raisons. La première, c'est parce que t'es un fils de pute. Ouais. Et la deuxième, c'est parce que t'as gagné l'étoile d'immunité.
Mais là, t'inquiète pas, je vais quitter l'île. J'ai quitté l'île, je connais l'adresse de ta mère, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Je vais quitter l'île. Je vais quitter sa mère. C'est votre enfant que nous allons éteindre. Aïe, 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 la fin. Wesh, la cinématique de fin, elle est déprimante. Putain. Oui, accompagné au bateau souffle. Adieu mes amis, c'était une belle aventure, c'est la fin pour moi, on m'a sorti, on me l'a mise dans le cul, c'est script, mais voilà que c'est pas script, je le jure, c'est pas tout ce que j'ai de plus, je suis choqué carrément, moi je pensais que c'était du bluff au camp, je faisais le mec en dépression et tout, mais je pensais qu'il bluffait un peu, mais je me suis vraiment fait sauter. Les gars, je n'attendais même pas de rebondissement ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment fait sauter là. Là, vous attendez une scène post-crédit, on dirait vous êtes sur un Marvel. Les gars, je me suis fait têche de mon propre événement. Je suis passé de Richard, de Mastermind, à Jefe, à Clochard. Devenu Clochard, c'est le plus gros downgrade de l'histoire. Après ça y est la cinématique. Ça y est la cinématique, elle est plus longue que mon aventure. Non c'est grave. Mais là... Mais qu'est-ce que vous... C'est quoi là? C'est de ma gueule quoi. C'est réel. Ça a duré moins longtemps que mon voyage en Algérie. Putain. Attends, je veux trop voir ce qu'ils vont me dire. Je veux trop voir ce qu'ils vont me dire, ces chiens. Attends, je veux trop voir ce qu'ils vont me dire. Ah là, Camélia. Camélia. Oui, mais nous, on a perdu quelqu'un aussi. Désolé de mon retard, on m'a demandé de faire un pester. Ouais, bon, c'est vrai que l'ambiance est pas fameuse et tout. L'ambiance, elle est cadavérique. On doit prendre des décisions, c'est chiant, c'est des moments chiants. Maintenant, comme à chaque fois, moi je dis mon vote que j'ai voté ce soir. J'ai voté pour toi, Richard. Alors, c'était pas spécialement. Putain, je croyais aller dire Mathieu, je me serais évanoui. Ousmane, tu sais, quand tu parles, excusez-moi, je suis en train de manger. Bon appétit. Attends, t'as à manger, hein. Désolé. Mais non, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai voté un de vous deux. J'espère que vous comprendrez mon vote. Si je dois m'expliquer, c'était pour ça. Non mais les gars, le vote, il est logique. Pour eux, j'étais peut-être pas un vrai rouge et ils m'ont têche. Faut voter quelqu'un, dans tous les cas, tout le monde fait du bon taf ici. Mais la réalité, c'est qu'ils m'ont bien baisé, ils m'ont bien mis à l'envers. Voilà. Moi, c'est comme hier, il faut trouver un prétexte pour virer quelqu'un. Et actuellement, sur le camp, il y a personne qui est complètement inutile, qui rate tout le temps, qui sert absolument à rien. Richard, ce fils de pute, il m'a manipulé, il a voté. Il y a l'un d'entre nous qui s'est fait chiquer par un ours. Aujourd'hui, c'est parce que. Voilà, vous nous considérez. J'ai pas voté Richard, les gars. Voilà, j'ai pas voté Richard. A priori, même si vous avez rien qui témoigne de qu'on pourrait vous cacher quelque chose. Je vous dirai pas mon vote. Dites, ok, faut trouver un prétexte, donc on vise le duo et on prend celui-ci. Je l'entends. Chacun d'entre vous, vous êtes tous des duos et des trios. Je sais pas ce qui vous fait plus dire qu'on a un duo que les autres. Mais c'est un jeu Richard, Richard, je peux juste dire un truc après quand t'as fini. Il y a beaucoup trop dans ce groupe de gens qui se laissent porter par des personnes qui veulent être influents. Il restait un vote pas annoncé. Ah, peut-être. Ok, d'accord. Leader, ok, ouais, c'est sûrement ça. Ils veulent se porter en égérie du groupe pour assurer leur place pour pas qu'ils soient votés pendant les votes. Parce qu'on n'élimine pas un leader. On se retrouvera dans des situations où il y a trop de messes basses, où chacun est en train de s'éclater en petits groupes pour on fait ci, ça me fume, comment c'est tendu, c'est incroyable. Elle m'a mordu, elle m'a mordu. Touche pas ma poule. Touche pas ma poule. Tu sais l'accueillir, Augmente la vitesse, je sais pas comment faire. Voilà. Une
pas deux. Voilà, une pas deux. Voilà, une pas deux, je te le dis, moi. Une pas deux, je te le dis. Mais non, c'est vous le dites, moi. Je suis prêt, genre une cage. Oh là, j'ai pris la poule, elle est là. Elle est là, elle est là, la poule. Non, alors, le staff ils sont trop chauds, ils ont allez, on ils ont mis un item, ils ont mis un item chicken au moment où je suis mort, mais non, oui. Ils sont trop chauds. T'as plus RP en poule que ton personnage. Bah cimère les mecs. Cimère les mecs. Vraiment ah, merci énormément. Attends, faut juste que je donne une poule à, aux autres vite avant qu'ils aillent dormir. Ah ils ont déco. Merde, ils ont déco. Attends, je vais l'attaquer avant de dormir. Ah, je peux pas l'attaquer. Bon bah ils leur donneront. Parce qu'après si je donne une poule à l'un et pas à l'autre, ça va râler. Bon les gars, élimination ce soir. Le point serré. Le point serré, fin de l'aventure. Monsieur Mathieu a vécu la pire aventure possible. Attendez. Tu redeviens animateur? Ben non les gars. Mais les gars, j'étais joueur. J'étais joueur sauf que ça a flop, ça m'a sorti premier jour. Vous voulez que je vous dise quoi? Mais moi-même, j'étais choqué de sortir là. Je vous jure que moi-même, j'étais choqué de sortir. Je vois pas dans quel monde, vraiment, voilà, je vous parle sérieux, là, premier degré, je vous parle avec ce que j'ai dans le cerveau, je vois pas dans quel monde je reviens. Peut-être que je vais revenir, je sais pas, faire un RP animal, un peu troll, je sais pas, peut-être, mais sinon, les gars, RP caméraman, mais non, mais les gars, je vais pas me co pour faire un RP caméraman, ça a aucun sens. Ça a vraiment aucun sens.